Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. En ce 19 avril 2021, il est maintenant 19h30 et nous débutons cette séance ordinaire. Je voudrais, en premier lieu, souligner le retour parmi nous de notre greffière, Maître Cassandra Comyn. Je la remercie de ce retour et j'en profite également pour remercier Maître Martine Savard, qui nous a prêté main-forte durant le congé de maternité de Mme Comyn. Donc, voilà, c'était le début. Donc, j'invite maintenant notre greffière à faire l'appel et vérifier si nous avons le quorum, mais par la suite, un moment de silence. Bonsoir Madame. À tous. Donc, je vais appeler les présences. Monsieur Le Châtelier. Présent. Nous n'entendons pas, Monsieur Le Châtelier. Veuillez parler fort et... Présent. Monsieur Glorieux. Présent. Monsieur Rodrigue. Je constate que Monsieur Rodrigue est absent. Non, il est là, il est en train de se connecter. Je pense que son audio vient d'embarquer. OK. On va le rappeler. On va le rappeler. Je vais faire le tour, puis on va le rappeler. Madame Bourgoin. Présente. Monsieur Blancard. Présent. Madame Marcotte. Présent. Monsieur Bowles. Présent. Madame Desaulniers. Oui, je suis là. Monsieur Rodrigue. Je suis présent. Parfait, merci. Donc, je vous invite à observer un moment de silence. Je vous remercie. Nous pouvons maintenant débuter la réunion. Donc, nous sommes au point 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire, je propose l'ordre du jour de la séance du 19 avril 2021. Je vous remercie. Quelqu'un appuie? Je l'appuie. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant au point 1.3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2021. Quelqu'un propose? Julie Bourgoin, je propose que l'on approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, ainsi que les procès-verbaux des deux séances extraordinaires du 14 décembre 2020. J'ai pas le bon document. Je suis désolée, je crois. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le suggérer, s'il vous plaît, pendant que je connais mes choses? France, je vois que ton micro est ouvert. Oui, moi, je l'appuyais, moi. Tu l'appuyais? Je vais l'appuyer, si tu dis. Donc, c'est l'approbation de la séance ordinaire du 22 mars 2021. Voilà. Bon. Alors, je propose l'approbation du procès-verbal du mois de mars. C'est unanime, je vous remercie. 1.4, suivi des dossiers de la séance précédente, Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des choses? Oui, bonsoir, Monsieur le maire, Madame les conseillères, Monsieur les conseillers. J'ai regardé le tableau des questions de la séance précédente. Il n'y avait pas de suivi à faire concernant les questions et le tout est disponible sur le site web de la Ville de Saint-Lambert. Ça a été déposé dans les 48 heures suivant la séance du 22 mars. Bonne Merci. Soirée à tous. Merci, M. le directeur général. Nous sommes maintenant au point 1.5, le mot du maire. Prochaines élections municipales. En 2017, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me suis lancé dans la course à la mairie. J'avais la motivation nécessaire et l'intime conviction de pouvoir contribuer au développement de notre belle ville de Saint-Lambert. Je crois toujours fortement au dynamisme de notre communauté et à son milieu de vie formidable. J'ai maintenant le sens du devoir accompli et je me sens prêt à tendre le flambeau à mon successeur. Ainsi, j'ai le cœur serein en vous annonçant ce soir mon retrait de la vie politique à la fin de ce mandat. Ainsi, je tiens à vous rassurer que je continuerai à assumer mon rôle de maire avec autant de diligence et d'engagement jusqu'en novembre prochain. Je m'étais fixé plusieurs objectifs à réaliser et cela n'a pas changé.
D'abord, je tenais à créer de la richesse pour notre ville, ce qui sera atteint notamment grâce au projet de rénovation de l'ancienne église anglicane et l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme dans le secteur Saint-Charles. La conversion de l'usine Dare et de l'ancien Rona en secteur résidentiel sera pour moi un legs positif pour les générations futures. Ce voyage à Toronto pour vendre cette vision d'avenir pour ce secteur aux hauts dirigeants de Dare auraient été des plus positifs. Le plan de développement durable et la refonte du plan d'urbanisme deviendront aussi des outils précieux pour la pérennité durable de notre municipalité. Je veillerai donc à l'aboutissement de ces dossiers structurants au cours des prochains mois. Établir des collaborations harmonieuses et constructives avec nos différents partenaires était un autre de mes objectifs en arrivant en poste à la mairie. En ayant rétabli les ponts avec la Ville de Montréal et le parc Jean-Drapeau, nous avons réussi à conclure une entente dont nous serons témoins des résultats positifs dès cet été. Je m'assurerai de suivre le dossier et de maintenir le canal de communication ouvert entre nos organisations. Au niveau de l'agglomération de Longueuil, nous avons des échanges constructifs et je poursuivrai mes représentations sur le déséquilibre fiscal, car je crois fermement qu'il est possible d'arriver à une situation équitable pour tous. Je continuerai aussi à m'impliquer dans notre communauté et à prendre des décisions pour notre bien-être collectif. Il est primordial de valoriser le bénévolat, de soutenir les organismes qui sont essentiels au dynamisme de notre collectivité, d'accueillir nos nouveaux résidents et d'offrir des services de qualité. J'en ferai une priorité jusqu'à la fin de mon mandat. Plusieurs raisons ont motivé ma décision de ne pas me représenter aux prochaines élections. Parmi celles-ci, je crois que le monde municipal doit faire un examen de conscience pour se recentrer sur ce qui compte vraiment et s'éloigner des réseaux sociaux afin d'agir pour les intérêts supérieurs de la municipalité. Je félicite l'Union des municipalités du Québec d'avoir adressé cette polémique qui semble malheureusement assez généralisée et de travailler à promouvoir le respect dans la démocratie. J'enjoins également à mon successeur de poursuivre dans cette voie en veillant à l'adhésion de tous au code d'éthique et de déontologie de tous les élus. Son respect est essentiel pour assurer un sentiment de confiance permettant à chacun de s'exprimer librement et pour faire avancer le projet dans un climat constructif et sain. Je terminerai en vous remerciant, chers Lambertoises et chers Lambertois, de votre confiance au cours des dernières années. C'est votre bien-être collectif qui a toujours guidé l'ensemble de mes décisions. Permettez-moi également de souligner le travail de l'équipe municipale, sans lequel il nous aurait été impossible de réaliser autant de projets et de faire face aux impacts de la COVID-19. Avec elle, nous avons réussi à maintenir les investissements et la qualité du service, tout en assurant un contrôle serré des dépenses et en respectant votre capacité de payer. Toutefois, le temps n'est pas encore venu de se dire au revoir, et je tiens à vous rassurer que je demeurerai présent pour vous servir et veiller à vos intérêts d'ici novembre prochain. Avril, mois de la Jonquille. La ville de Saint-Lambert est fière de s'associer au mois de la Jonquille. La campagne nationale de collecte de fonds de la Société canadienne du cancer. Durant tout le mois d'avril, les citoyens sont invités à donner généreusement à cette cause. Les dons recueillis durant cette campagne serviront au financement de projets de recherche, de services de soutien et d'activités de premier plan. Ces projets ont pour objectif de soutenir les Canadiens touchés par cette maladie et de poursuivre la lutte contre les cancers.
Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Avril donne également lieu à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se terminera le 24 avril. C'est pour cette raison que ce soir, le directeur général porte fièrement le ruban vert et que malheureusement, j'ai laissé sur mon bureau pour arriver à l'heure à cette rencontre. Avec cette participation, Saint-Lambert se joint à Transport Québec et à la chaîne de sensibilisation qui prend part dans plus de 80 municipalités à travers le Québec. Profitez-en pour signifier votre consentement au don d'organes et de tissus, entre autres, en opposant un autocollant au verso de votre carte d'assurance maladie. Vous pouvez aussi vous inscrire au registre des consentements de la Régie de l'assurance maladie du Québec et à celui administré par la Chambre des notaires du Québec. Les dons d'organes et de tissus peuvent sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 autres personnes. Prochain point, départ du président de la Corporation de développement économique. C'est avec regret que j'ai appris le départ du président de la Corporation de développement de Saint-Lambert, M. Vincent Trudel. J'ai eu le plaisir de côtoyer et d'apprendre à le connaître depuis le début de mon arrivée en fonction. Son implication ainsi que l'ensemble des réalisations accomplies au terme de son mandat méritent d'être soulignées. Il est évident que M. Trudel a un attachement indéfectible pour Saint-Lambert. Il l'a démontré à travers chacune de ses actions afin de faire progresser la Corporation du développement économique, veiller au bien-être de la communauté économique et promouvoir l'achat local. Au nom de l'ensemble des membres du Conseil municipal, je tiens sincèrement à le remercier de ses efforts et de son dévouement au fil des 6 dernières années. Rappelons qu'il a été un bénévole durant toutes ces années. Période de COVID-19, il a tout mon respect. Je lui souhaite bonne chance dans ses projets d'avenir. Jour de la Terre. Le 22 avril prochain sera le jour de la Terre. La ville de Saint-Lambert est heureuse de s'unir encore cette année à cette cause en montrant son engagement pour l'environnement et en posant de nombreux gestes pour préserver notre planète. Parmi ceux-ci, nous nous engageons ce soir sur les principes d'un plan de développement durable 2021-2030 et sur la création d'un bureau de coordination qui aura pour mandat sa mise en œuvre et son suivi. Le développement durable, rappelons-le, vise l'épanouissement de l'ensemble des membres de la communauté réalisé par la conduite d'activités économiques qui ne portent pas atteinte à l'intégrité écologique et aux ressources de la planète. Pour y parvenir, ce plan de développement durable s'accompagnera d'un plan d'action. Ce dernier mettra en place des moyens visant à limiter l'empreinte écologique, à être plus efficient et susciter davantage la participation et l'engagement des citoyens. Deux activités vous sont aussi proposées. La première, le 22 avril, un bingo pour la Terre qui permettra aux jeunes de tester leurs connaissances sur l'écologie et le 26 à la conférence à vos frigos pour vous outiller contre le gaspillage alimentaire. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et nous poursuivons la réunion par la première période de questions sur les sujets qui ont rapport à l'ordre du jour. Donc, nous sommes au point 1.6 et Madame la greffière, je pense que vous partez vous aussi. Oui. Voilà donc, je précise que notre greffière était disciplinée et portait fièrement le... Donc, voilà. Fait que merci, Monsieur le directeur général, d'avoir eu la gentillesse d'aller chercher mon petit... Voilà, mon petit ruban vert. Voilà. Donc, nous sommes à la première période de questions. Monsieur le directeur général, si vous voulez, s'il vous plaît, faire la lecture des questions se rapportant à l'ordre du jour. Oui, monsieur le maire. Donc, il y a 7 intervenants pour la première période de questions. Le premier intervenant, monsieur Yves Guillet, c'est concernant le point 3.2, qui est l'avis de motion pour le règlement décrétant
des travaux pour financer des travaux au parc Logan. Donc, il y a, selon le plan, une zone dédiée à l'espace. Or, cette zone coïncide avec l'emplacement de la place commémorant la participation des Lambertois à la Première Guerre mondiale. Est-il prévu que ce monument soit restauré, voire relocalisé dans un espace le mettant en valeur, à l'abri des amoncellements de neige poussés par l'équipement municipal? Est-il prévu que les autres stèles qui restent au pied des érables, plantées dans les années ou placées dans les années 1920, soient restaurées et mises en valeur? Merci, Monsieur Guillette, de votre question. Oui, tous les éléments de commémoration seront conservés et mis en valeur dans le respect des traditions lambertoises. Et j'en profite pour remercier le travail des bénévoles de la Société d'histoire de Saint-Lambert qui nous aident à protéger et à préserver notre histoire et la valeur de Saint-Lambert. Merci à nouveau, Monsieur Guillette, et à votre Société d'histoire. Prochaine question. Oui, l'autre intervenant, M. Pascal Effray, c'est concernant le point 7.3, concernant le plan stratégique. Donc, comment une simple option de la stratégie d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'installer 380 compteurs d'eau? Il faut rappeler que le programme du ministère n'est pas obligatoire pour les municipalités, devient un point du plan stratégique de la ville de Saint-Lambert 2021-2025. Alors qu'installer des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels est une option plus importante qui n'a toujours pas été réalisée par Saint-Lambert, car 47 des plus gros immeubles consommateurs d'eau de la ville, dont des immeubles municipaux et des institutions scolaires, sont toujours sans compteur d'eau. Monsieur, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous oblige à installer des compteurs d'eau pour avoir une meilleure appréciation et un échantillon statistique de la consommation d'eau. Les compteurs d'eau sont installés dans les édifices institutionnels, industriels et commerciaux. Voilà. Prochaine question. Et toujours de M. Effray, sa deuxième question, toujours par rapport au plan stratégique. Je vous invite à consulter ce nouvel outil de réduction de comptes, le tableau de bord citoyen des infrastructures d'eau. À la dernière page, il y a des recommandations urgentes. Vous savez certainement que Saint-Lambert a les besoins d'investissement par citoyen en maintien d'actifs les plus importants de l'agglomération. Quelle est votre stratégie d'ici la fin de votre mandat? La réponse, c'est le ministère qui a ajouté 73 millions d'investissements pour du rattrapage. On remercie M. Effray pour son outil de reddition de comptes citoyens. Mais nous sommes à valider ces chiffres. Donc voilà, il y aura une validation pour confirmer les montants qui sont avancés par M. Effray. Prochaine question. Oui, donc l'intervenant, M. Pierre Sénécal, c'est une question qui s'adresse au conseiller municipal Philippe Glorieux. Alors, c'est concernant le point 4.2, le dépôt du rapport financier qui vous sera présenté ce soir par M. Maxime Marquis, le nouveau directeur des finances. Est-ce que le Comité des finances et des ressources humaines de la Ville de Saint-Lambert a fait une étude comparative du rapport financier de la municipalité par rapport à une ville de même taille dans la région métropolitaine comme Westmount, afin de savoir s'il est vrai que nous recevons beaucoup moins de subventions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec? Monsieur Glorieux. Oui, bonjour, Monsieur Sénécal. En fait, écoutez... Je sais que la direction des finances là, remet en premier son rapport financier par rapport à bien d'autres municipalités. Mais en attendant, concernant votre question plus en particulier, j'avoue ne pas pouvoir vous y répondre et je vais prendre les informations nécessaires et vous les envoyer bientôt. Merci. Prochaine question. Oui, donc la deuxième question de M. Sénécal s'adresse à la conseillère Mme Marcotte. Qui siège au Comité consultatif d'urbanisme. Donc, est-ce que le Comité consultatif d'urbanisme a pris soin d'examiner le rapport d'expertise sur le projet Quartier Victoria, développé par Trigone, afin de nous assurer que les mêmes erreurs ne se répéteront pas lors du futur développement immobilier sur la rue Saint-Charles? Bonsoir, M. Sénécal. Le rapport n'a pas été déposé, évidemment, au CCU, Comité consultatif d'urbanisme, puisqu'il est déposé ce soir au Conseil. Alors, c'est le Conseil qui doit en prendre connaissance en priorité. Est-ce qu'il sera déposé au CCU?
je pense que c'est une très bonne idée. Je pense même que ce rapport-là devrait être rendu public à l'ensemble des citoyens, parce que c'est, après tout, c'est quand même l'argent des citoyens qui ont payé le rapport et qui qui a été impliqué dans le développement de ce projet. Donc, tant qu'à moi, il serait public. Pour ce qui est du CCU, dans votre question, là, de nous assurer que les mêmes erreurs ne se répéteront pas lors du développement de la rue Saint-Charles, je veux juste faire un petit bémol à votre commentaire, parce que le rôle du CCU, c'est d'étudier des dérogations mineures, c'est d'évaluer des PIA, mais la décision ultime, la responsabilité, c'est au conseil qu'elle revient. Alors, ce n'est pas le CCU qui va éviter des erreurs. Le CCU peut bien sûr, je pense que c'est très pertinent votre commentaire, le CCU peut prendre connaissance de ça pour être au courant, mais ils vont faire une recommandation au conseil, mais c'est le conseil qui doit réfléchir et prendre des décisions responsables pour les citoyens. Alors, je fais la demande ce soir à ce que le rapport soit rendu public. Je vais poursuivre, m'assurer, je vais travailler dans ce sens-là pour que ce le soit. Merci. Oui, le rapport, il est automatiquement public. Il est déposé ce soir, donc ça devient un document public. Prochaine question, M. le directeur général. Oui, M. le maire, moi j'ajouterais peut-être quelque chose à la réponse concernant le projet du quartier Victoria. Allez-y. Vous savez que ce dossier-là a été étudié à partir de 2010-2011. Et je pense qu'en quelque sorte, on a fait partie des villes innovantes ou innovatrices qui ont expérimenté un TOD. En réalité, on avait tous les éléments à Saint-Lambert pour réaliser un tel projet par la présence du centre-ville, la proximité du projet. Je pense que l'important, c'est que les résultats soient globalement positifs. Puis même si le tout n'est pas parfait par rapport à ce projet-là, je pense qu'il faut retenir que nous faisions partie déjà en 2011 de réflexion sur l'avenir des TOD. Le quatrième intervenant, M. Claude Ferguson, c'est concernant le point 3.3, qui est le règlement modifiant le code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, concernant ce point, est-ce qu'on peut penser également à mieux protéger l'accès de l'information aux citoyens sur les dossiers étudiés par les élus, autant en conseil qu'en session plénière, ainsi que les lanceurs d'alerte? Il serait très simple et peu coûteux d'inclure les rapports déposés au Conseil avec les ordres du jour et les minutes du Conseil mis en ligne, ce qui éviterait d'alimenter des rumeurs souvent infondées. Monsieur Ferguson, nous souhaitons être le plus transparent possible dans la gouvernance de la Ville. Le climat actuel est basé sur la méfiance et le non-respect, ce qui nous paralyse. Comme vous le dites, des rumeurs non fondées circulent. Et ça nuit à la crédibilité des membres du Conseil. Prochaine question. Oui, c'est un des points concernant l'agglomération. Concernant les points 2.1 à 2.5, il faut reconnaître que l'agglomération de Longueuil n'est pas assujettie aux mêmes règles de démocratie directe que l'est une ville comme Saint-Lambert. Les Lambertois y contribuent pourtant la moitié de leurs taxes, et il faut donc passer plus de temps, pas moins, pour expliquer aux citoyens comment cet argent est dépensé, ainsi que les alternatives qui peuvent exister. Est-ce que le Conseil peut réitérer son soutien à 100% des règles actuelles, en particulier de l'article 61 de la loi, tel que rappelé déjà à l'administration de notre chère ville le 12 novembre 2019 par la Commission à l'intégrité municipale et aux enquêtes, M. Richard Villeneuve, qui écrivait une lettre à cet effet, afin que les orientations de vote de son représentant à l'agglo soient toujours celles décidée ou dictée par le Conseil avant qu'elle ne soit débattue au Conseil de l'agglomération. Monsieur Ferguson, nous prenons acte. Nous souhaitons que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation se penche sur la gouvernance et sur le déséquilibre fiscal de l'agglomération. Donc, chaque fois que nous avons l'occasion, il y a des situations hors de l'ordinaire qui se présentent. Donc, on agit dans les intérêts supérieurs et on tente d'agir, comme je dis, pour les intérêts supérieurs de la Ville, et on demande à l'occasion, et on va le voir plus tard, dans le rapport de la séance de l'agglomération, on demande à la ministre, naturellement, de se pencher sur le fonctionnement du
de l'agglomération de Longueuil. Merci. Alors, le intervenant, le cinquième intervenant, M. Serge Grekovetsky. Alors, c'est concernant le point 3.3. Comment le maire peut-il réconcilier le point 3.3 de l'ordre du jour? M. Grekovetsky, c'est très facile. Et j'invite les élus à respecter le code d'éthique et de déontologie pour la xième fois. J'ai répété, tantôt c'était le greffier, tantôt c'était la greffière, en maintes occasions. C'était également aussi les gens du ministère qui nous ont accompagnés un certain temps et qui ont redit ce que je viens de vous dire. Respectons le code d'éthique et de déontologie afin d'avoir une meilleure gouvernance et d'avoir un comportement à la hauteur du poste que nous occupons. Prochaine question. Oui, M. Hugues Létourneau. Excusez, je pense que la question de M. Grekovetsky n'a pas été lue dans son intégralité. Écoutez, moi, j'ai ça sur mon tableau. Comment le maire peut-il réconcilier le point 3.3 de l'ordre du jour? Je pense qu'il y avait plus que ça dans sa question. Moi, je pense que j'ai reçu tout le tableau des questions par courriel. Je m'excuse. Je vais aller revoir. Monsieur Blancard, nous prenons note. Nous avons le document ici. Nous avons lu le document que nous avons devant nous. Nous allons faire une vérification demain. Et si la question de M. Grekovetsky est incomplète, on s'engage à le reprendre avec les documents que nous aurons. Présentement, nous travaillons avec les documents qui nous ont été présentés, mais nous allons faire une vérification. Si vous voulez continuer. En fait, c'est simple. Je pense qu'on a tous eu accès au courriel envoyé par les citoyens. Moi, j'ai le courriel ici. C'est quand même assez... Monsieur Blancard, j'ai répondu à votre question. Vous avez soulevé un point d'interrogation. Nous allons faire la vérification qui s'impose. Nous allons parce que légalement, vous êtes tenu de lire les questions en toute transparence. Merci, monsieur le directeur général. Veuillez poursuivre. Oui. Donc, le sixième intervenant, monsieur Hugues Létourneau. C'est concernant le point 4.5, l'affectation de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier. Donc, quel est le montant actuel dans le fonds vert et quelles sont les dépenses de la Ville qui seront payées à partir de ce fonds? La réponse, le fonds vert est à la hauteur de 122 117. Nous attendons le plan d'action découlant de la politique de développement durable. Ouais. Prochaine question. Toujours. Et j'ajouterais, monsieur le maire, que le fonds, si vous acceptez cela, sera augmenté de 77 883 pour avoir, t'aimes ça les chiffres, Maxime, à 200 000, c'est bon, excellent. Donc, voilà, nous avons ce soir la présence aussi de notre collègue, M. Maxime Marquis, directeur du service des finances, donc c'est toujours agréable de compter sur une ressource qui nous donne les chiffres. Donc, voilà, M. Létourneau, c'est 200 000 maintenant qui est disponible. Veuillez poursuivre, Donc, M. le directeur général. M. Létourneau avait une deuxième question concernant l'adjudication du contrat de service professionnel pour le parc Gordon. Alors, quel est le projet au parc Gordon? Donc, le réaménagement du parc, c'est les pavés de sentier de ce parc sont dangereux. On l'a soulevé à maintes occasions. Donc, la fontaine a atteint sa fin de vie. Donc, les superficies d'espace vert seront conservées, sinon augmentées. Ce soir également, nous allons passer une résolution pour être accompagnés de professionnels, pour aider notre équipe à l'interne, pour préparer un projet d'aménagement, donc qui est déjà élaboré, qui sera présenté en temps et lieu à la population. Et vous verrez le travail qui aurait été fait par nos fonctionnaires et la firme que nous aurons retenu et nous aurons le plaisir de vous le présenter. Mais si vous avez la chance de vous promener dans le parc Gordon, vous allez voir que le temps a fait son œuvre et il faut investir pour le rendre au goût du jour. Merci. Prochaine question. Oui, donc le dernier intervenant de la première période des questions, Mme Médite Moranville, c'est concernant juste toujours le point 6.3, les services professionnels au parc Gordon. Pourquoi ne pas faire preuve de transparence en faisant une présentation du projet aux citoyens avec tous les détails avant de procéder et de permettre de faire des commentaires? Le prochain conseil ne devrait-il pas avoir le droit de décider des besoins futurs? Pourquoi toute cette précipitation? Ça commence à faire beaucoup. Le parc Gordon est très apprécié par tous les citoyens.
pour son charme et son côté naturel. Il fait partie de l'histoire du village et nous devrions le conserver dans son intégrité malgré la disparition subite de ses plus beaux rosiers il y a quelques années et approuvé par un conseil précédent. Ne pourrait-on pas cesser de détruire pour détruire et conserver notre patrimoine urbain? J'ai répondu à la question précédente. Je vais simplement répéter ceci. Nous octroyons ce soir un contrat à des professionnels pour nous accompagner. C'est la première étape. Et déjà, nos fonctionnaires ont travaillé. Nos fonctionnaires sont compétents, ont des idées innovatrices. Fait que donc, tous ces gens-là vont travailler ensemble et vont nous être présentés. Et je réitère ce que j'ai dit. La fontaine est rendue à sa fin de vie. Donc, il faut prendre nos responsabilités. Merci. Donc, la dernière question de la première paire de questions, toujours la... Toujours Mme Moranville, sur la liste des déboursés qui est présentée au point 4.1. Donc, c'est une question qui s'adresse à M. Bowles. À titre d'ancien président du Comité des finances, pourriez-vous nous assurer que vous avez bien pris connaissance de cette liste et que, grâce à votre rigueur, vous voyez à la saine gestion des deniers publics? M. Bowles, à vous la réponse. Oui, j'ai pris connaissance de la liste, mais je n'ai pas la prétention de dire que c'est grâce à ma rigueur que... On gère bien les deniers publics. Je pense que c'est grâce à la rigueur de l'ensemble des élus de l'appareil municipal. Merci, chers collègues. Nous allons poursuivre. Nous sommes rendus au rapport du maire sur les sujets traités à la séance de l'agglomération du mois de mars. Donc, donnez-moi quelques secondes. Est-ce que tu as des problèmes, toi aussi? Moi, je me suis fait débrancher du réseau. OK. OK. En tout cas, je vais faire un petit appel. Donc, si vous le permettez, nous allons poursuivre. OK. Donc, nous sommes rendus au point 2.1, rapport du maire sur les sujets traités à la séance du Conseil de l'agglomération du mois de mars. Je voudrais débuter en vous disant qu'à la dernière rencontre, il y a eu deux intervenants qui ont posé des questions. Donc, deux intervenants, il y a eu trois questions. La première question était de M. Pierre Sénécal et elle se lisait comme suit. Donc, c'est une question à l'Office municipal d'habitation et du logement. Donc, la réponse a été donnée par Mme Bastien. Mais ce que je pense important de vous dire, c'est que suite à la réponse de Mme Bastien sur un programme de subvention, donc, j'ai dit ceci. Et je vous le répète, donc, mise au point à l'effet que le conseiller municipal de la ville de Saint-Lambert, qui siège à l'Office municipal d'habitation de Longueuil, est M. Philippe Glorieux, qui fait un excellent travail. Il remplace un conseiller qui, malheureusement, brillait par son absence, c'était M. Blancard. Donc, M. Glorieux... Question de privilège, M. Blancard, pour le bien de l'Office de l'habitation de Longueuil. Question de privilège. C'était le point que j'ai mentionné à l'Assemblée. Deuxième question également aussi, deuxième question qui m'a été adressée par Mme Yasmina Ben-Gardan. Madame, la question était la suivante. La question s'adresse à Pierre Brodeur. En quoi possède-t-il la légitimité pour siéger au Conseil de l'ADLO et ainsi obtenir une rémunération quand il nous a appris ce lundi 22 mars qu'il ne participe plus aux réunions de travail de son propre conseil municipal? Puisque j'ai répondu à la question, donc j'ai simplement dit que j'avais mentionné par l'entremise du pro-maire et du directeur général que j'avais été absent à trois réunions de travail. C'est simplement ça que j'ai dit. Donc, ça a pris des proportions, je pense, démesurées, et j'ai précisé à l'effet que je continuerai à siéger à l'agglomération. Donc, voilà, fait que c'était les choses. Et également aussi, j'ai été appelé, et ça, c'est important, j'ai été appelé, chers collègues, à voter sur une résolution présentée par la mairesse de l'agglomération de Longueuil, Mme Sylvie Parent. C'était pour moi une occasion de me joindre à M. Murray, à Mme Parent, pour demander à la ministre de se pencher sur la gouvernance au niveau de l'agglomération.
Pour une première fois, nous avons dit dans une réunion de l'agglomération que nous avons un problème et nous avons adopté une résolution majoritaire. C'est une première fois. Donc, il y a des élus qui disent que ça va très bien. Il n'y a rien à changer dans l'agglomération. Saint-Lambert dit qu'il faut faire des changements. À titre d'exemple, au niveau de la fiscalité, nous avons passé tout près en 2020 d'avoir une entente pour présenter une résolution unanime. Malheureusement, c'est extrêmement difficile d'avoir des résolutions unanimes. Donc, nous avons une résolution majoritaire demandant à la ministre de se pencher sur le fonctionnement de l'agglomération. Moi, j'ai agi dans les intérêts supérieurs. Peut-être que mes collègues au Conseil ont vu les choses différemment. Je m'en remets à leur compréhension, mais moi, sur place, d'avoir la chance de faire équipe avec Longueuil, avec Saint-Bruno, pour demander à la ministre de se pencher sur des points des règlements et également d'élargir la réflexion sur le fonctionnement de l'ADLO. Donc, pour moi, c'est de cette façon-là que j'ai saisi l'opportunité. C'est la première fois en 3 ans que je siège à l'ADLO qu'une telle résolution est présentée sur le banc, comme on dit. Donc, j'ai agi dans les intérêts supérieurs, mais si mes collègues ne partagent pas mon point de vue, on est en démocratie, ce sera à vous de mettre des commentaires, mais je tenais à préciser le déroulement de la réunion de l'agglomération. Il y a eu également aussi une réunion extraordinaire qui a eu lieu. Donc, réunion qui est encore là. On était prévenus à la dernière minute. Le lundi soir, j'avais une rencontre avec les membres du Conseil. Je les ai fait part de la situation. Et à ce moment-là, ils étaient d'accord à ce qu'on vote pour la subvention pour l'Office municipal d'habitation. Donc, voilà, c'est la façon de faire. Donc, j'ai agi dans les intérêts pour la Ville et également aussi pour sensibiliser les instances sur les correctifs à apporter pour un meilleur fonctionnement de l'agglomération de Longueuil. Fait que voilà, donc, c'était le point. Nous sommes maintenant à 2.2.1, orientation du Conseil. Donc, les membres du Conseil ont pris connaissance des documents pour la prochaine Assemblée. Nous sommes maintenant au point 2.2.2. Oui, excusez, oui, oui. Vous avez raison. Merci, M. le directeur général. Donc, voilà, nous sommes au point 2.2.1. Chaque membre a reçu les points qui seront traités. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'orientation du Conseil à la séance du 22 avril? Quelqu'un propose? Oui, France Desaulniers, je propose d'exprimer une orientation favorable au sujet dont la liste apparaît et était fournie dans les documents préparatoires au Conseil. Je vous remercie. Quelqu'un appuie? Oui, je l'appuie. C'est appuyé. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant à 2.2.2, autorisation au maire. Quelqu'un propose? Monsieur le maire, je propose d'autoriser le maire ou son représentant désigné à se prononcer de façon différente des orientations exprimées par le Conseil si des informations additionnelles lui sont communiquées avant la tenue de la séance du Conseil d'agglomération et justifie une position différente. Quelqu'un appuie? Oui, j'appuie, Philippe Glorieux. C'est unanime. J'aimerais intervenir. C'est unanime. J'aimerais intervenir, M. le Président. Allez-y, M. Rodrigue. Le maire Brodeur parle beaucoup de respect. Un des fondements du respect dans la vie, c'est que nos échanges correspondent à ce qui était entendu. Quand un conseil municipal donne une orientation dans un cadre qui est la loi habilitante de façon précise, que le maire aille voter, aille sous toute prétention que ce soit, d'après moi, il n'a pas respecté le cadre légal. Et dans un deuxième temps, je pense qu'il y a des villes qui avaient obtenu des résolutions de leur conseil municipal. On aurait pu faire une séance extraordinaire. On en a fait pour des raisons futiles dernièrement. Je pense que ça, les citoyens auraient apprécié qu'on respecte les traditions de Saint-Lambert. Et on sait que nous sommes une ville liée depuis la diffusion municipale et que tous les maires précédents de Saint-Lambert, quels qu'ils soient,
ont toujours respecté les orientations qui ont été prises par le conseil municipal. Merci. Donc, c'est proposé par M. J'aimerais intervenir. M. Blancard. Bon, alors, lors de la dernière séance du conseil d'agglomération, le maire a voté pour réformer la gouvernance de l'agglomération pour que les maires puissent voter sans tenir compte de l'orientation votée par le conseil. C'est quelque chose de profondément antidémocratique, quelque chose qui n'a jamais été discuté avec les conseillers de aucune des villes. Malheureusement, certains maires minoritaires ont voté pour ça. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'il faut arrêter de donner carte blanche au maire de Saint-Lambert, à l'agglomération. Ce soir, si cette résolution-là passe encore, on a un sérieux problème. Parce que ça veut dire que les élus qui vont voter pour ça vont cautionner le comportement répréhensible du maire Brodeur lors de la dernière séance du conseil d'agglomération. Alors, je vais voter contre, comme d'habitude. J'enjoins tout le monde à faire de même. Merci. Donc, c'est proposé. Il y a un proposeur, il y a un appuyeur. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On a demandé le vote, s'il vous plaît. Donc, voilà. Madame la greffière, veuillez, s'il vous plaît, appuyez le vote. Monsieur Le Châtelier. Et contre. Monsieur Glorieux. Pour. Monsieur Rodrigue. Je suis contre. Madame Bourgoin. Je suis pour. Monsieur Blancard. Contre. Madame Marcotte. Je suis contre. Monsieur Bowles. Pour. Madame Desaunier. Je suis contre. Donc, c'est rejeté à la majorité. Nous sommes maintenant au point 2.4. Rapport du maire. Rapport des représentants de la ville aux commissions et organismes de l'agglomération. Quelqu'un a des rapports à faire? Oui, M. le maire, Julie Bourgoin. On a eu une rencontre au CA du réseau de transport de Longueuil. Je peux commencer. D'ici 20 ans, le RTL compte avoir que des autobus électriques. Vous êtes peut-être au courant. Mais pour ce faire, les garages du RTL ont besoin d'être reconstruits, considérant leur état de vétusté, et ils doivent être électrifiés. Donc, lors de notre dernière rencontre du CA, le président du CA fait l'annonce que le gouvernement du Québec avait annoncé qu'au budget provincial, des sommes étaient réservées pour permettre que ces centres d'exploitation du RTL puissent passer à cette étape. Une excellente nouvelle. Et aussi, le conseil a approuvé un contrat pour assurer la continuité d'une plateforme qui s'appelle RTL à la demande. Cette plateforme qui est en existence depuis 2018, celle-ci va continuer pour les 3 prochaines années. Et malgré que ce service qui en est un d'accès rapide à un choix d'options multimodales de transport n'est que disponible à Saint-Bruno depuis le début de son implantation en test, les équipes du RTL planchent à l'implanter ailleurs dans l'agglo. Donc, ça fait le tour des grandes annonces du RTL. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres rapports? Le représentant aux commissions de l'agglomération? Non. Nous allons passer au point 2.4, rapport du maire sur les sujets traités à la communauté métropolitaine de Montréal. Même si nous n'avons pas siégé, je suis heureux de vous dire que nous avons, lors de notre dernière réunion, passé une résolution, je vous le disais, pour le financement du REM jusqu'à l'aéroport Trudeau. Donc, nous avons la confirmation que le financement a été trouvé. Donc, je remercie les instances supérieures, le fédéral, le provincial, et nous pourrons dire que nous aurons un aéroport à la dimension d'un aéroport international avec un lien direct vers le centre-ville et également aussi jusqu'à Brossard avec le REM. Donc, voilà. Vous savez, des fois, il faut être patient et tout arrive à point. Nous sommes maintenant au point 2.5. Quelqu'un propose? Je vais le proposer, M. le Président. Alors, entendu qu'en vertu de l'article 61 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, le maire d'une municipalité liée à l'obligation d'informer tous les membres du conseil des sujets qui seront traités aux séances de l'agglomération,
entendu qu'en vertu de l'article 62 de la dite loi, le maire d'une municipalité liée à l'obligation de voter aux séances du conseil d'agglomération en conformité avec les orientations prises par le conseil municipal de la ville qu'il représente, entendu que la loi ne confère pas au maire d'une municipalité liée le pouvoir de voter sur une résolution sans avoir obtenu préalablement une orientation du conseil municipal, entendu que le maire Brodeur ne pouvait pas voter sur la dernière résolution ajoutée par le président de l'agglomération de Longueuil à l'ordre du jour de la séance ordinaire tenue le 25 mars 2021, puisqu'il n'avait pas obtenu préalablement d'orientation du conseil municipal, entendu que le maire Pierre Brodeur a voté lors de la séance extraordinaire de l'agglomération du 31 mars 2021, malgré qu'aucune résolution ne soit adoptée par le conseil municipal afin de lui donner des orientations sur les sujets de l'ordre du jour pour cette séance, nous, membres du conseil municipal, dénonçons les agissements répréhensibles du maire de Saint-Lambert. Souhaitons transmettre pour information la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, demandant à la ministre d'intervenir et de voir au respect des règles de gouvernance. Quelqu'un appuie? J'appuie et je demande le vote. C'est un amendement. Le vote est demandé. C'est un amendement. Excusez, vous avez... Le vote a été demandé, s'il vous plaît. Madame la greffière, veuillez, s'il vous plaît, appeler le vote. Ce ne sera pas bien long. Je vais juste valider parce que j'ai entendu qu'il y a un amendement. Donc, je peux passer l'amendement avant de demander le vote. Donc, Madame... Le vote avait été demandé préalablement à l'amendement. Madame Désaunier. Est-ce que je fais l'amendement ou on vote sur la proposition? Donnez-moi deux petites secondes, s'il vous plaît, Madame Désaunier. Madame oui, Désaunier, certainement. On va vous donner la parole dans quelques instants. Vous permettez quand même, je prends ce temps de réflexion pour donner à notre greffière un temps. Elle nous revient d'un congé de maternité. Fait que donc, je vous invite, chers membres du conseil, à voir, si l'on veut, faciliter son travail. Fait que donc, elle est très efficace. Elle a la réponse. Michel. Donc, voilà. Madame la greffière. Oui. Merci, monsieur le maire. Donc, je comprends ce que monsieur Blancard a voulu faire, mais monsieur Blancard, vous devez présenter une proposition technique pour faire cela. Donc, étant donné que vous ne l'avez pas fait, parce que la proposition technique doit demander le vote immédiat, vous n'avez pas proposé une... dans le fond, selon votre règlement, c'est une proposition technique à l'article 27. Je dois dire qu'effectivement, la proposition d'amendement de Mme Désaunier doit être entendue. Mme Désaunier, à vous la parole. Parce que là, j'ai un amendement aussi à faire après. Mme Désaunier, vous avez la parole. Notre greffière vous donne la parole. Parfait. Je dois dire que j'avais envoyé la proposition d'amendement à tout le monde, là, incluant la greffière et le directeur général, avant la tenue de la séance publique. Donc, tout le monde était au courant. Je vais lire. C'est assez long, mais je pense que ça vaut la peine. Biffer le premier paragraphe, le remplacer par « Attendu que lors de la séance publique tenue le 25 mars 2021 ». Les membres du conseil d'agglomération de la ville de Longueuil ont voté aux deux tiers en faveur d'une résolution proposée en affaires nouvelles par la présidente de l'agglomération de Longueuil afin de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, qu'elle soumette au conseil exécutif une demande de modification du décret 1214-2005 concernant l'agglomération de Longueuil afin que soit abrogé l'article 13.1 de ce décret, et qu'elle présente un projet de loi afin de rendre inapplicable à l'agglomération de Longueuil les articles 61 et 62 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Attendu que l'article 61 de la dite loi stipule que lors d'une séance du conseil de toute municipalité, le maire doit, premièrement, informer le conseil des sujets qui doivent faire l'objet de délibération lors d'une prochaine séance du conseil d'agglomération. Deuxièmement, exposer la position qu'il entend prendre sur tout sujet visé au paragraphe
précédent, discute de celle-ci avec les autres membres présents et propose l'adoption d'une résolution établissant l'orientation du conseil. Et troisièmement, fait rapport des décisions prises par le conseil d'agglomération lors d'une séance précédente. Je biffe le paragraphe suivant, je le remplace par « Attendu que l'article 62 stipule que lorsque le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d'une municipalité reconstituée prend une orientation quant à un sujet dont doit être saisi le conseil d'agglomération, tout membre de celui-ci qui représente cette municipalité doit agir lors des délibérations et du vote sur ce sujet auquel il participe d'une façon conforme à l'orientation prise. » Je biffe le paragraphe suivant. Dans le paragraphe suivant, j'ajoute « Attendu que le maire, Pierre Brodeur, ne pouvait pas voter sur la dernière résolution, CA-21-0325-12.1.2, ajouté par la présidente de l'agglomération de Longueuil à l'ordre du jour de la séance ordinaire tenue le 25 mars 2021, puisqu'il n'avait pas obtenu préalablement d'orientation du conseil municipal de Saint-Lambert. » Je biffe le paragraphe suivant. J'ajoute, attendu que le maire de la ville de Saint-Lambert a voté en faveur de la résolution numéro CAX-210331-8.1, présentée lors de la président, j'ai un point extraordinaire d'ordre. Du conseil. J'ai un point d'ordre. Madame Desjeuniers a la parole. Notre greffière a donné la parole à Madame Desjeuniers. J'ai un point d'ordre, veuillez, Monsieur s'il vous plaît, le Président. Veuillez, s'il vous plaît, s'il laisser vous plaît. Madame Desjeuniers. Non, je m'excuse, terminer, Monsieur le Président, terminer, j'ai un point d'ordre. Madame. J'ai un point d'ordre en vertu de monsieur, nos règlements. Monsieur. J'ai monsieur. Un point d'ordre en vertu de nos règlements, oui. S'il vous plaît. En vertu de l'article 24 de notre règlement, une proposition d'amendement doit concerner le même sujet que la proposition principale. Alors, quand je lis cet amendement-là, dans la proposition principale, il n'est pas demandé de retirer, de rendre inapplicables les articles 61 et 62 de la loi habilitante. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et après ça, on enlève la partie qui est le blâme aux élus, puis ensuite, on rajoute. Puis là, c'est pas parce que... Moi, je demande juste qu'on fasse un débat un jour sur une stratégie pour le pacte fiscal. J'ai aucun problème avec ça. Mais là, on est en train de dénaturer la proposition principale. Cette proposition faite par d'amendement par Mme France Desjeuniers ne tient pas du tout à la proposition principale. Elle s'est accrochée comme on s'accroche à l'arrière d'un autobus pour glisser, mais vous savez, c'est interdit. Donc, par ma greffière, madame, j'avais dit qu'on va vous faciliter la tâche il y a quelques instants, mais donc moi, je pense que lorsque quelqu'un propose un amendement, mais il faut laisser cette personne-là présenter son amendement et par la suite, les membres du conseil seront appelés à voter sur l'amendement. Madame la greffière, est-ce que vous avez un complément d'information à donner pour le bon déroulement de cette soirée? Oui, en effet, Monsieur Rodrigue a raison. C'est l'article 24. C'est une proposition d'amendement doit concerner sur le même sujet que la proposition principale. Donc, c'est à Madame Desjeuniers de nous confirmer que son amendement concerne le même sujet que la proposition principale. Alors, le sujet, je vous le rappelle, c'est les votes lors des séances du conseil d'agglomération. Et puis, elle doit viser seulement à retrancher, ajouter ou remplacer des mots. Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Mais dans le fond, ça va être aux élus de décider s'il y a, dans le fond, un secondeur, puis d'aller de l'avant. Ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on fait un amendement, c'est d'aller à l'encontre faire une négation de la résolution qui a été présentée principalement. Donc, En tout respect, Madame la greffière, c'est ce que fait le premier paragraphe, justement, de l'amendement. Et puis là, je nous ai évité qu'on ait la lecture complète parce que plus loin dans le texte, on a des négations de la proposition principale. Alors, on n'est pas du tout dans le même sujet. Puis, en vertu de l'article 24, je vous demanderai de refuser le dépôt de l'amendement. Madame la greffière? Parfait.
Monsieur Rodrigue, Madame Desaulniers, je vais essayer de trouver un compromis pour tous. Donc, Madame Desaulniers, en vertu de l'article 11, vous avez le droit de proposer d'ajouter votre point. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est que vous passiez au vote tel que demandé par le conseiller Blancard, la résolution 2.5, et de simplement proposer l'ajout du point conformément à l'article 11 qui vous permet d'ajouter le point que vous amenez ce soir en séance. C'est tout ce que je peux voir pour accommoder tous les élus ce soir. Parfait. Alors, je retire l'amendement. Donc, voilà, nous sommes au point 2.5. Nous allons voter pour le point 2.5. Madame la greffière, prenez votre temps et quand vous serez prêt, vous appelez le vote. Donc, toujours par ordre de district. Monsieur Le Châtelier, c'est pour on vote pour la résolution, vote lors de la séance du Conseil de l'agglomération, proposée par Monsieur Rodrigue et appuyée par Monsieur Blancard. Dans son intégralité. Exact. Oh. Monsieur Glorieux. Contre. Monsieur Rodrigue. Je suis pour. Madame Bourgoin. Contre. Monsieur Blancard. Pour. Madame Marcotte. Pour. Monsieur Bowles. Contre. Madame Desaulniers. Contre. Monsieur le maire, vous devez voter. Je suis contre. Donc, elle est rejetée à la majorité. Est-ce que je propose maintenant ou j'attends la fin? Oui. Monsieur le maire est en conflit d'intérêt. Il n'a pas le droit de voter sur cette résolution-là. Effectivement. Madame la greffière, vous m'avez demandé de voter. Mais dans le fond, il n'y a pas de toute façon, si vous votez pas, elle passe pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'adresser à la commission municipale du Québec. Excusez. C'est 4 contre 4. À la fois, c'était 4 contre 4. Donc voilà, je n'ai pas à voter. Non, mais c'est la résolution ne passe pas de toute façon. C'est exact. C'est ça. Fait que parfait. On s'est mal compris. Merci, M. Blancard, de nous avoir appelé. On s'est mal compris. Bien oui. Merci. Est-ce que je peux proposer une nouvelle proposition maintenant ou j'attends à la fin? Madame la greffière, maintenant. Madame Desaulniers. Bien, écoutez, je relirai pas tout. J'étais rendue au point de la séance extraordinaire du 31 mars. Alors, Madame Desaulniers, excusez, Madame la greffière a un point d'information à donner. Là. Oui. On va faciliter la compréhension de tout le monde. Madame Desaulniers, je veux juste pas qu'on soit blâmé pour aucun bris de protocole. Pouvez-vous tout simplement, avant tout, proposer l'ajout de votre point, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Excusez. donc, je propose une nouvelle résolution. Orientation lors des séances... la tenue des séances de l'agglomération de la ville de Longueuil. Parfait. Est-ce que j'ai un secondeur? Je l'appuie. Monsieur Beaux appuie. Ça va, donc, madame? Le point était de point 6, j'imagine, Madame Desaulniers? Oui. A été rajouté. Bien, je voulais surtout éviter la relecture de long préambule. Là. Est-ce que je peux reprendre? Maître Bergonzi, où j'étais rendu? Oui, vous pouvez reprendre où vous étiez rendu. Dans le fond, la résolution, vous l'avez envoyée à tous vos collègues, c'est ce que je comprends. Oui. Vous pouvez continuer. Donc, alors, la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération de la ville de Longueuil le 31 mars 2021, relativement à l'entérinement des ententes de financement conclues avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et la Société d'habitation du Québec concernant les subventions octroyées pour le financement des projets d'habitation dans le cadre du programme Accès Logis Québec, alors que le Conseil n'avait pas donné ses orientations. Il est résolu de dénoncer la prise de position du maire de Saint-Lambert lors de la séance ordinaire du Conseil de l'agglomération de Longueuil le 25 mars 2021, ainsi que celle prise lors de la séance extraordinaire du Conseil de l'agglomération de Longueuil du 31 mars 2021, alors que le maire ne disposait pas des orientations du conseil municipal de Saint-Lambert telles que prescrites par la loi, de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de ne pas donner suite à la résolution CA 2103-25-12.1.2 votée lors de la séance du conseil d'agglomération de Longueuil le 25 mars 2021, de réitérer la revendication des membres du conseil municipal de Saint-Lambert
maintes fois exprimée depuis 2007, date du pacte fiscal établi entre les villes de Longueuil et de Boucherville, à l'effet que les Lambertois paient trop cher pour les services de l'agglomération de Longueuil, particulièrement dû aux facteurs de potentiel fiscal. De réitérer la volonté des membres du conseil municipal de revoir la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, plus particulièrement quant à l'établissement des quotes-parts inéquitables entre les villes de l'agglomération de Longueuil, ainsi qu'à sa gouvernance, et ce, afin que tous les citoyens de l'agglomération de la ville de Longueuil paient équitablement pour les services relevant des compétences de l'agglomération de Longueuil et pour que les villes liées puissent y avoir un réel pouvoir et non pour restreindre le pouvoir démocratique des conseils municipaux des villes liées. De transmettre copie de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à M. Simon Jolin Barrette, ministre responsable de la Montérégie, à Mme Nicole Ménard, députée de La Porte, ainsi qu'à tous les membres composant les conseils municipaux de chaque ville liée de l'agglomération de la ville de Longueuil. Quelqu'un, donc, s'est appuyé par M. Bose? Oui, j'appuie. Quelqu'un demande le vote? J'ai un amendement déposé. Donc, proposition d'amendement par M. Rodrigue. J'aimerais qu'on supprime dans le premier entendu, qu'on arrête la phrase. Je veux juste relire deux secondes pour pas qu'on perde le sens de la France. Et je veux qu'on supprime, qu'on fasse une omission à partir de la virgule après Mme Laforêt, qu'elle soumette une demande de décret pour abroger l'article, qu'elle rende inapplicable l'agglomération, les articles 61 et 62. Je ne peux pas accepter qu'on ait ça dans une résolution. C'est pour ça que je demande l'amendement, pour la simple et bonne raison que ça veut dire qu'à partir du moment où on vote cette résolution-là, et si la ministre va dans ce sens-là, le maire de Saint-Lambert peut voter sans avoir obtenu préalablement des orientations des membres du conseil municipal. On a besoin des filets de sécurité. On est élu par la population pour les représenter. Puis on vient d'enlever de la représentation à des élus de Saint-Lambert quand il y a des votes à l'agglomération. Madame la greffière, non, Monsieur le Président. Oui. Est-ce qu'il faut que j'attende que ce soit appuyé, là? Mais j'ai une précision, moi, à apporter. Allez-y. Ce texte-là, c'est le texte intégral de la résolution qui est adoptée à Longueuil. Et c'est ça que le premier paragraphe dit. Merci. Quelqu'un, là, la question, quelqu'un appuie, M. Rodrigue, pour un amendement? Dans le fond, si vous le souhaitez, je peux relire le premier attendu de la conseillère Desaunier, si ça peut éclaircir. Mais là, s'il n'y a personne qui appuie, Mme la greffière, si personne j'appuie, appuie. J'appuie, M. le maire, j'appuie. Bon, OK. Mme la greffière, je vous laisse poursuivre. Oui, donc, amendement. On va passer au vote de l'amendement à la résolution au 2.6. Donc, l'amendement vise à retirer la deuxième partie du premier attendu présenté par Mme Desaunier. On y va avec le vote. Monsieur Le Châtelier. Oh. Monsieur Glorieux. Contre. Monsieur Rodrigue. Oh. Madame Bourgoin. Contre. Monsieur Blancard. Oh. Madame Marcotte. Oh. Monsieur Bowles? J'aurais aimé la relecture, moi, bien honnêtement, parce que je suis plus certain de ce qu'on enlève. Moi, ce que je comprends, c'est que Mme Desaunier pense qu'en le gardant, on fait juste préciser ce à quoi on s'objecte. C'est exact. M. Rodrigue, ça me dit qu'on l'a. OK. Donc, la résolution présentée par Mme Desaunier se lit comme suit. Attendu que lors de la séance publique tenue le 25 mars 2021, les membres du conseil d'agglomération de la ville de Longueuil ont voté aux deux tiers en faveur d'une résolution proposée en affaire nouvelle
par la présidente de l'agglomération de Longueuil afin de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, qu'elle soumette au conseil exécutif une demande de modification du décret 1214-2005 concernant l'agglomération de Longueuil afin que soit abrogé l'article 13.1 de ce décret et qu'elle présente un projet de la loi afin de rendre inapplicable à l'agglomération de Longueuil les articles 61 et 62 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Donc, Mme Desaulniers, à ma compréhension, vous faites juste état de la résolution qui a été adoptée à la séance du Conseil d'agglomération. Exact. C'est bon. C'est clair pour tout le monde. Est-ce que vous voulez prendre le vote ou c'est clair pour moi. Madame Négrefien. Donc, on continue, M. Bowles. Oui, je vais voter contre l'amendement, puisque plus loin, on s'oppose justement à ce qui a été voté à Longueuil. Bon. Madame Desaulniers, vous êtes pour, contre l'amendement? Contre l'amendement. OK. Moi, j'ai voté contre aussi. Hein. Exact. Ouais. Donc, il passe pas, on est franchement un fait que, tu sais, c'est ça le vote à Longueuil. Oui. OK, donc j'entends ce que vous dites, Mme Desaulniers, mais la façon que la phrase est structurée, c'est pas ça. S'il vous plaît, on va faciliter le travail de notre greffière. Il est 20h35. J'ai un amendement à formuler. Oui, voilà. On vote pour la principale maintenant. Non, j'ai un amendement à formuler. Monsieur Blancard, c'est juste un amendement. Si vous voulez, c'est un sous-amendement. Parce qu'on ne peut pas faire des amendements après amendement après amendement. Selon votre règlement, vous avez le droit à faire un sous-amendement maintenant. Ça, je ne suis pas sûr, bien honnêtement, mais je vais faire. Je peux vous lire le règlement si vous le souhaitez. Parce qu'on ne peut pas empêcher deux personnes de proposer des amendements. C'est une proposition d'amendement. Après la proposition d'amendement, c'est juste sous-amendement. Un sous-amendement, mais, après, il faut que je passe à l'amendement. Et si l'amendement est rejeté, excusez, on a le droit de proposer un autre amendement. Veuillez, s'il vous plaît, écouter notre greffière pour bien comprendre. Laissez mettre. En ce moment, il n'y a pas d'amendement sur la table. S'il vous plaît, laissez parler notre greffière pour faciliter la compréhension. Notre greffière, Mme Cummings. Monsieur Brodeur, je vais me remettre à vous comme présidente de l'Assemblée. Dans le fond, votre règlement est clair. C'est une proposition d'amendement et par la suite une proposition de sous-amendement. Je ne peux pas contrôler ce que les élus veulent faire en séance publique. Donc, étant donné que vous êtes le président de l'Assemblée, je m'en remets à vous. Vous pouvez autoriser l'amendement. Mais il n'y a pas d'amendement qui a été adopté à l'heure actuelle. Non, mais c'est exact. Monsieur Blancard, je ne ferai pas un débat juridique avec vous, mais l'article de votre règlement précise que suite à un amendement, il faut que je passe à la résolution principale. Donc, ouais, on est de retour sur la principale. Ça veut dire qu'on peut redéposer l'amendement. Nous sommes sur la proposition de Mme Desaulniers. Voilà. Monsieur le maire, donc, je veux déposer un amendement sur la résolution principale. Excusez. Ça a déjà été fait. Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Il n'y a pas d'amendement qui a été adopté. Excusez. On va s'entendre. Madame la greffière. En vertu de l'article 22... Allez-y, M. Blancard. Allez-y, M. Blancard. Oh, bon, merci. C'est compliqué de déposer un amendement à Saint-Lambert. Alors, l'amendement que je propose est le suivant. Que le maire de Saint-Lambert, à titre de représentant du conseil à l'agglomération de Longueuil, lise la présente résolution à la prochaine séance du conseil d'agglomération lors de la période d'intervention des élus pour en informer tous les membres du conseil. Je l'appuie. Madame la greffière, oui, je vais passer au vote. Oui, prenez votre temps, là. Monsieur Le Châtelier. Pour. Monsieur Glorieux. Contre. Monsieur Rodrigue. Je suis pour. Madame Bourgoin. Bon, c'est à moi de poser la question maintenant pour faire sûr de bien comprendre. Monsieur Blancard ne change pas la proposition de Madame Desaulniers. Il ajoute un attendu que ou une proposition qui s'ajoute une phrase qui signifie que le maire, suite à l'adoption de la résolution de Madame Desaulniers, devra la lire en son entièreté au conseil d'agglo. C'est ça? Oui. OK. Bof.
Je suis pas contre. Je suis pour. Monsieur Blancard? Oh. Madame Marcotte? Oh. Monsieur Bowles? Oh. Madame Desaunier? Je suis pour. Est adoptée. Donc voilà. Donc il faut passer à la principale maintenant. On passe à la principale. Est-ce que je peux proposer un autre amendement? Vous, là, les membres du conseil, là, les membres du conseil, s'il vous plaît, là, pouvez-vous faciliter le travail de la greffière? Pas de problème. Puis du président de l'Assemblée, là, je pense là, qu'on... Regardez, je ne fais pas de commentaires, mais je pense que vous êtes aussi, comme moi, là, un petit peu tanné de ces choses-là. Ce n'est pas dans, dans l'historique de Saint-Lambert. Je pense qu'on devrait mettre fin à ce folklore-là. Je pense que fait que donc, est-ce que, madame, est-ce qu'on peut voter sur la proposition de madame Desaunier, s'il vous plaît? Oui. On est unanime, ça ne devrait pas être long. Mais donc, on passe au vote de la principale, c'est ça, monsieur le président? Oui, c'est exact. Monsieur Le Châtelier? Est-ce que vous êtes pour? OK. Monsieur Glorieux? Pour. Monsieur Rodrigue? Je vais voter pour, c'est comme un buffet, là, mais c'est ça. Madame Bourgoin? Pour. Monsieur Blancard? Pour. Madame Marcotte? Pour. Monsieur Bowles? Pour. Madame Desaunier? Je suis pour. Parfait. Ça vient. Donc, on s'est rendu au point 3.1, si je ne me suis pas... Oui. Voilà. Donc, on est au point règlement, avis de motion, règlement modifiant le règlement 2006-19 concernant les nuisances. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement modifiant le règlement concernant les nuisances sera présenté pour adoption au cours d'une séance subséquente de ce conseil. Ce projet de règlement vise à introduire des dispositions relatives à l'abattage des arbres sur le domaine public, ajouter des pénalités additionnelles suite à l'abattage d'un arbre sur le domaine public, apporter une spécification pour lutter contre l'herbe à poux et reporter jusqu'au 1er mai 2022 la tolérance pour l'usage des fleurs à feuilles à essence. Le projet est déposé. Quelqu'un appuie? J'aurais une question. Quelqu'un appuie pour commencer? C'est un dépôt, monsieur le maire. Ah, c'est un dépôt, je m'excuse, ma chère dame. Monsieur Blancard. J'ai une question pour la greffière. Alors, ce projet-là vient repousser d'un an. C'est un avis de motion pour modifier notre règlement sur les nuisances pour reporter le règlement qu'on avait préalablement adopté l'année dernière pour interdire les souffleurs à feuilles à essence sur tout le territoire de la ville à partir du 1er mai 2021, c'est-à-dire dans deux semaines. Approximativement. Par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'en théorie, notre règlement va s'appliquer à partir du 1er mai 2021. Donc, les gens ne pourront pas utiliser de souffleur à feuilles à essence jusqu'à l'entrée en vigueur, éventuellement, si c'est accepté, de ce règlement-là qui nous amènerait possiblement en juillet, en juin, je ne sais pas exactement quand, parce qu'il faut passer à travers le processus réglementaire. Alors, durant cette période de flottement-là, j'aimerais qu'on me confirme que les souffleurs à essence vont être interdits sur le territoire de la ville de Saint-Laurent. La réponse, monsieur le directeur général. Cassandra, mais écoutez... Oui, oui. Donc, le texte, effectivement, c'est le même qui vous a été soumis en plénière il y a deux semaines. Donc, oui, effectivement, c'est pour reporter cette utilisation-là. Et puis, il sera adopté, si le conseil le souhaite, lors de la séance du mois de mai, étant donné les délais qui seraient appliqués. J'imagine qu'il y aurait deux semaines de flottement, comme vous l'avez appelé, je pense, M. Blancard. Dans ce cas-là, c'est à l'administration, dans le fond, de décider s'ils vont appliquer ou pas, parce que c'est sûr que les règlements, effectivement, ils existent, mais il faut les appliquer pendant deux semaines, cette interdiction-là. Mais la loi, c'est la loi. Nous, comme on représente une institution, on va appliquer nos règlements. Et je comprends que le conseil municipal
veut tolérer l'usage des souffleurs à feuilles à essence. Et pour pallier à la demande de M. Blancard, nous proposerons au conseil municipal une réunion extraordinaire pour adopter le règlement concernant les nuisances avant le 1er mai. Non, je suis totalement contre ce règlement-là. Puis je suis contre qu'on dépense de l'argent pour une autre séance extraordinaire. Monsieur, va amener des coûts pour les citoyens, encore une fois. C'est très mal avisé de procéder de la sorte, puis c'est la première fois que j'en entends parler. Okay. Merci, M. Blancard. Moi, je vous rappelle que le conseil municipal a voté majoritairement pour cette proposition-là. C'est un avis de motion. Nous suivons la volonté majoritaire du conseil. Vous n'êtes pas d'accord, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est un avis de motion. Voilà, il n'y a aucune décision politique un avis de motion. Conseil. Nous sommes à 3.2, s'il vous plaît. À 3.2, donc, c'est l'avis de motion. Le règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation pour les travaux de réfection du parc Logan-Maître. Il faut demander à un conseiller de nous donner un avis de motion, monsieur. Je souhaite donner un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement d'emprunt décrétant des dépenses au montant de 1 100 000 pour le réaménagement du parc Logan sera présenté pour adoption au cours d'une séance distincte du conseil. Conformément à l'article 556 de la Loi sur les cités et villes, tout règlement qui décrète un emprunt doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce projet de règlement a pour objet d'autoriser la Ville à emprunter et à dépenser une somme de 1 100 000 pour les travaux de réfection du parc Logan. Merci, Mme Marquette. Nous sommes à 3.3. Monsieur le Président, règlement. Je veux proposer un retrait technique du point 3.3. Et quand ce sera appuyé, j'aimerais ça intervenir. J'appuie. Monsieur Rodrigue. Bon, moi, je veux qu'on revise ce document-là, sur lequel il y a plusieurs erreurs, puis il y a plusieurs points. Puis c'est pas vrai que quand on dépose un règlement, c'est dans le but d'avoir des discussions, là. Premièrement, la politique concernant le harcèlement psychologique, je n'ai pas voté pour. Alors, il n'y a pas eu un vote unanime pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas que ce soit le directeur général de la Ville qui gère les plaintes de harcèlement psychologique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on regarde article par article, il y a des choses qui mériteraient peut-être d'être vues. L'article 2... agir avec professionnalisme, diligence, discernement. Ça, puis rien dire ou tout dire en même temps. Un code d'éthique, c'est des balises dans lesquelles les élus doivent être guidés dans leur fonction. Puis, si je regarde le numéro 3, lorsque vous demandez aux élus de se comporter à titre de membre du conseil en assemblée publique, parce que c'est ça le pouvoir de la loi. D'ailleurs, le maire s'est jamais gêné, grâce à son avocat, d'envoyer des mises en demeure, rappelant aux conseillers municipaux que leur seul pouvoir est en assemblée publique. Alors, on ne peut pas incomber des codes d'éthique sur des comités ou des commissions qui sont des places où on n'a pas de pouvoir. Hein? Je pense que dans vie, quand tu as un pouvoir, tu as des obligations qui viennent avec. Puis j'aimerais ça qu'on le revise au complet, moi. Le point 5, quand on regarde le point 7.1, je pense qu'il faut absolument que ça aussi, ça soit des gestes vexatoires. Je veux dire, on va tourner en rond, puis peut-être aussi de rajouter dans ce code d'éthique-là que les gens qui portent plainte ont l'obligation de s'adresser aux tribunaux et non d'engager des enquêteurs, des détectives privés, des firmes de consultation en relations humaines. Puis ensuite, quand on lit à 7.4, favoriser, puis je suis d'accord avec ça, un travail harmonieux, respectueux, bien, j'aimerais ça que d'ici la fin du mandat, le maire s'engage à faire ça. Fait que quand on présente des amendements, un code d'éthique, puis moi, je suis d'accord avec des amendements, bien, il faut faire le travail en amont, puis ce travail-là, discussion n'a pas eu lieu. Alors, je demande le retrait du dépôt aujourd'hui, que le conseil municipal fasse le travail de discussion, qui représente des amendements
en dépôt quand le travail sera exécuté. Donc, nous avons un avis de motion. Est-ce que quelqu'un propose l'avis de motion? Il faut que je passe au vote. La proposition technique passe avant tout. Monsieur Le Châtelier? Contre. Monsieur Glorieux? Pour. Vous êtes pour le retrait du point? Oui, il est pour le retrait. Monsieur Rodrigue? Monsieur Glorieux. C'est pas Monsieur Blanquer qui répond pour vous, c'est vous. Le vote est appelé. Avez-vous bien compris, Monsieur, avez-vous bien compris la question, Monsieur Glorieux? S'il vous plaît, Madame la greffière, voulez-vous, s'il vous plaît, répéter comme il faut la question pour être sûr? Madame la greffière, on est rendu au conseiller Bernard Rodrigue. Donc, c'est Madame la greffière qui a la parole. Merci, Monsieur Blanquer. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée, effectivement, c'est peut-être ma faute. Je suis désolée, je m'excuse. Aux membres, dans le fond, aux élus ce soir. J'aurais dû préciser avant de passer au vote qu'on est, je vais préciser, une demande de retrait. Excusez, c'est notre greffière qui a la parole et j'ai dit tantôt à deux reprises, Madame Cassandra est de retour après un congé de maternité. Est-ce qu'on peut lui faciliter la tâche? Mais je pense que c'est, à date, la pire réunion qu'on a depuis 3 ans. Madame la greffière, à vous la parole. Écoutez simplement la question sur quoi que vous êtes appelée à voter. Madame la greffière, allez-y. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, le vote est demandé, mais il faut quand même comprendre sur quoi qu'on demande le vote. Donc, mea culpa. Donc, le vote a été demandé pour la proposition technique de M. Rodrigue de retirer le point à l'ordre du jour 3.3, avis de motion. Et cette proposition a été secondée par, appuyée par le conseiller Blanquer. Donc, je recommence le vote. M. Le Châtelier, êtes-vous pour ou contre ce retrait? Pour. Oh. M. Glorieux? Je suis contre le retrait. M. Rodrigue? Madame Bourgoin? Entre. Monsieur Blanquer? Pour. Madame Marcotte? Pour. Monsieur Bowles? Entre. Madame Desoigniers? Entre. Donc, j'ai 4-4. Monsieur le maire, est-ce que vous souhaitez voter? Écoutez, ça ne passe pas. Non. Donc, vous ne souhaitez pas voter. Parfait. Ça ne passe pas. Donc, quelqu'un va proposer l'avis de motion maintenant. Qui propose l'avis de motion du règlement modifiant le code d'éthique et de déontologie des élus? Oui, M. le maire, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement modifiant le règlement établissant le code d'éthique et de déontologie des élus sera présenté pour adoption au cours d'une séance subséquente de ce conseil. Ce nouveau projet de règlement a été préparé pour ajouter des normes de déontologie plus précises relativement au respect envers les autres, l'obligation de respecter la politique concernant le harcèlement psychologique ou sexuel et la violence en milieu de travail de la Ville, ainsi qu'au respect de la confidentialité des informations qui ne sont pas publiques. Ce projet prévoit également qu'un membre du Conseil ne peut se placer dans une situation de conflit entre, d'une part, son intérêt ou celui de ses proches et, d'autre part, les devoirs de sa charge. Donc, le projet de règlement est déposé. Excusez, oui, M. Beau, je vous remercie. Donc, voilà, fait que l'avis de motion est présenté. Ça va, maître? Oui, merci. Oui? Excellent. 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires. Maître, Mme la greffière, excusez. Donc, je procède au dépôt ce soir de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressées par le directeur des finances et trésorier, M. Marquis, couvrant la période du 1er au 31 mars 2021 pour les sommes respectives de 2 235 114 $ et 35 sous et 1 058 028 $ et 4 sous, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire. Je vous remercie, Mme la greffière. Nous sommes au point 4.2, le dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2020.
Avant de laisser la parole à notre directeur des finances, j'aimerais avoir un proposeur pour le dépôt. Quelqu'un propose? Monsieur Glorieux? Oui, je propose. Donc, voilà, il est. Je vais faire la lecture pour vous. Il est procédé au dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2020, conformément à la loi sur les cités et villes, chapitre C-19. Donc, voilà. Monsieur. Je ne sais pas si vous pouvez afficher le PowerPoint, s'il vous plaît. OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc voilà, je laisse la parole à notre directeur. Parfait, c'est bon. Premièrement, bonsoir à tous. Avant de débuter, je voulais prendre un petit moment pour remercier mon équipe à la direction des finances qui m'a permis justement de livrer le rapport financier dans les délais, malgré les changements au niveau de la direction et au niveau du trésorier adjoint. Donc, merci à mon équipe. Sans plus tarder, je vais vous présenter le PowerPoint sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2020. Contenu de la présentation, je vais premièrement vous présenter les objectifs, faire un bref retour sur les revenus, les frais d'exploitation, vous présenter l'état de la COVID-19 au 31 décembre, l'état des surplus et des fonds réservés, et je vais vous faire un bref passage sur les immobilisations et la dette à long terme. Au niveau des objectifs, entendu, c'est de vous présenter le sommaire des résultats annuels au 31 décembre. On vous présente les données selon une présentation par service, comme on a fait lors du dépôt du budget en décembre 2019. Et le budget est présenté avec... les chiffres du budget sont présentés selon les chiffres qui ont été adoptés le 16 décembre 2019, puisque c'est la présentation qu'on doit faire au niveau du rapport financier. Sans plus tarder, je vous présente les revenus. Donc, le total des revenus pour l'année 2020 s'échelonne à 61 514 855, comparativement à un budget de 56 983 317. Vous remarquerez que c'est les deux principales rubriques qui expliquent cet excédent au niveau des revenus, c'est au niveau des droits de mutation et au niveau des subventions. Je vais revenir sur ces sujets un peu plus tard. Je vous ai fait une petite analyse aussi de toutes les variations qui sont de plus de 100 000 $. Donc, au niveau des taxes foncières, vous remarquez qu'il y a par rapport au budget, 555 144. Dans le fond, nous, la taxation est faite en janvier en fonction, du rôle qui est déposé généralement en septembre ou octobre. Par contre, suite à ça, il y a des mises à jour du rôle qui sont déposées de la part de l'évaluation de Longueuil tout au courant de l'année. Donc, il y a des taxations révisées qui sont faites en cours d'année. Donc, c'est ce qui explique qu'on a reçu beaucoup de certificats durant l'année 2020. Au niveau des tenants lieux de taxes, vous remarquerez une baisse de 100 000 $ par rapport à ce qui était budgété. Dans le fond, ces paiements sont en fonction des taux réels de taxation pour les immeubles non résidentiels au niveau des paiements tenants lieux de taxes du Canada et du taux global de taxation pour les tenants lieux de taxes du Québec. Ces taux-là sont estimés lors du budget, puis dans le fond, avec les taux réels, là, justement, il s'en est ressenti une légère baisse. Au niveau des droits de mutation, vous verrez qu'on avait budgété 3,5 millions. Réalisé 6,2 millions, donc 2,7 millions d'extra. Je vous dirais que c'est principalement causé par la vigueur du marché, mais aussi par un règlement qui a été adopté en janvier 2020, qui prévoyait une hausse du droit de mutation à 3 % pour les valeurs de base d'imposition qui excédaient 500 000 $. Donc, pour les fins du rapport financier, on a analysé, puis environ 1,2 million qui découle additionnel qui découle justement de ce règlement-là que vous avez adopté en janvier 2020. Au niveau des contraventions, on peut noter une baisse d'environ 130 000 $ principalement causée par la COVID-19. Comme vous savez tous, nous avons été en confinement, donc moins de constats d'infraction ont été émis durant l'année 2020. Au niveau des subventions, vous voyez, on avait budgété 1,6 million, réalisé 4 millions. Donc, le 2,3 millions d'excédents est principalement causé par l'aide financière non récurrente pour la COVID-19 de 2 545 041 qui couvre les exercices financiers 2020 et 2021. Je vous rappelle qu'en fonction des normes comptables, nous avons dû comptabiliser l'entièreté de la subvention en 2020, même si une partie de cet argent peut être utilisée en 2021. Vous remarquerez que je vous parle d'une aide financière de 2,5 millions alors qu'il y a une variation de 2,3 millions. C'est qu'il y a des intérêts sur les subventions gouvernementales payables sur plusieurs années, pour lesquelles on n'a pas encore reçu l'argent parce que les redditions de compte finales n'ont pas encore été déposées. Quelque chose qui devrait être fait là, dans les prochains mois.
Au niveau des loisirs, sport et vie communautaire, vous remarquerez une baisse quasiment de moitié des revenus anticipés. Je ne vous cacherai pas que c'est toujours lié au niveau de la COVID-19. Suite à une petite analyse, je peux vous informer qu'au niveau des sports, 80 000 $ ont été perdus. Au niveau de l'aquatique, 177 000 $ et au niveau des camps de jour, 273 000 $ Donc, vous comprendrez que, vu qu'on n'a pas pu tenir l'entièreté de notre programmation, bien, c'est directement lié là, à cette baisse. Au niveau des intérêts et pénalités, vous avez une baisse de 130 000 $ C'est principalement sur nos dépôts bancaires. Les taux d'intérêt ont grandement chuté durant l'année 2020. Donc, on a fait un moins bon rendement là, sur l'argent qui est déposé au compte bancaire. Et au niveau de autres revenus, c'est principalement les affectations de nature fiscale. Je vous rappelle qu'on a fait une affectation additionnelle à la réserve pour élection de 100 000 $ suite à une résolution qui a été adoptée au mois de décembre 2020. Donc, je vais passer rapidement les diapositives ici. Là, c'est un peu les explications que je viens de vous donner. Au niveau des frais d'exploitation, Au niveau des frais d'exploitation pour la portion ville, vous remarquerez qu'il y a une économie de 1,4 million. Dans le fond, c'est des dépenses qui ne se sont pas réalisées de par le fait qu'on a annulé plusieurs activités, là, donc une baisse des revenus correspondante avec une baisse des dépenses. Vous remarquerez qu'au niveau des contributions de l'employeur, 212 000 additionnels, et au niveau du service de la dette, 3,2 millions. Donc, pour des dépenses supplémentaires au total de 1,9 million. Je vais passer rapidement aussi les rubriques qui sont de plus de 100 000 $ comme j'ai fait pour les revenus. Donc, premièrement, c'est au niveau du greffe et de l'approvisionnement. Une économie de 138 000 $ principalement due à 62 000 au niveau des dépenses électorales, 35 000 pour les assurances et réclamations et 13 000 $ d'économie au niveau des services professionnels. Donc, c'est en lien là, avec l'embauche de la nouvelle greffière. On voulait aller moins à l'externe pour des avis juridiques, donc ça se reflète directement là, dans nos résultats. Au niveau de l'hygiène du milieu, une économie de 137 000 $ Donc, c'est principalement attribuable à un 40 000 $ économisé pour les déchets domestiques et 128 000 $ au niveau des matières recyclables. J'ai écrit au sein de la diapositive qu'il y a eu de moins de levées durant l'année 2020, mais il y a effectivement eu une économie aussi au niveau du carburant. Il avait été budgété un montant pour le carburant à la hausse parce qu'il y a eu un changement du dépôt pour les matières recyclables. On avait anticipé 223 000 selon ce que le fournisseur nous donnait comme chiffre. Finalement, ça nous en a coûté 81 000. Donc, on a fait une économie substantielle de 142 000 $ à ce niveau-là. Au niveau de l'entretien des parcs et bâtiments, vous noterez une baisse de 412 000 $ principalement liée au niveau des frais énergétiques. Nous avons sauvé 145 000 $ au total, dont 89 000 seulement pour le centre des loisirs. Au niveau des patinoires extérieures, une économie de 78 000 $ de la piscine intérieure, 75 000 $ et des piscines extérieures, 35 000 $ Au niveau de loisirs, sport et communautaire, donc au niveau des revenus, nous avions perdu près de 500 000 $ Au niveau des charges, nous avons une économie de près de 500 000 aussi, principalement liée au niveau du sport, 138 000 $ l'aquatique, 181 000 $ et les camps de jour, 202 000 $ Pour ce qui est des bibliothèques, arts et culture, économie de 152 000 $ Donc, c'est principalement au niveau des spectacles. Nous avons économisé 55 000 $ et il était prévu initialement d'augmenter les heures d'ouverture de la bibliothèque. Vous comprendrez qu'avec le contexte actuel, nous n'avons pas pu réaliser ça, donc c'est une économie de 52 000 $ Pour les contributions de l'employeur, comme je vous mentionnais, il y a 212 000 $ de hausse. C'est principalement attribuable justement au régime de retraite. Donc, toutes les autres déductions à la source ont rencontré le budget. Mais au niveau du régime de retraite, il y a eu un léger excédent. Et le service de la dette à 3,2 millions. Pourquoi nous avons dépassé largement le budget? C'est par rapport au remboursement anticipé du fonds de roulement qui avait été proposé en décembre dernier. Donc, un remboursement anticipé de 2 099 678 $ Et les dépenses qui étaient prévues financées par le fonds de roulement ont été modifiées pour être financées à la hauteur de 1 190 914 à même les activités de fonctionnement. Donc, pour faire un résumé de tout ça, nous avons le surplus au 31 décembre 2020 de 2 569 036 $ Bon, comme je vous disais ici, c'est les explications que je viens de vous fournir. Ici, je vous ai préparé un petit tableau au niveau de la COVID-19. Donc, je vous parlais un petit peu plus tôt que l'excédent est principalement causé par les droits de mutation pour lesquels on avait budgété 3,5 millions. Il s'est réalisé 6,2, donc un excédent de 2,7 millions. Et au niveau de l'aide financière COVID-19, qu'on avait budgété aucun montant,
en décembre 2019 et on a réalisé 2,5 millions. Donc, avec ces chiffres-là, on s'enlignait vers un surplus minimalement de 5,2 millions. Donc, certaines décisions ont été prises par l'administration et entérinées par le conseil municipal. Nous avons eu des dépenses directement liées à la COVID-19 de 313 898. Par dépenses directement liées, je veux dire que c'est tout l'équipement de protection individuelle, la tenue des séances en virtuel comme nous vivons aujourd'hui. Donc, toutes les frais qui sont vraiment rattachés aux impacts directs de la COVID. On a investi au niveau des TI pour supporter le télétravail des employés à la hauteur de 96 911 nous avons dû assumer une quote-part supplémentaire auprès de l'agglomération de 108 720 $ Et comme je vous parlais à la diapositive suivante, nous avons fait un remboursement anticipé du fonds de roulement à la hauteur de 3,3 millions de $ Pourquoi un remboursement anticipé du fonds de roulement? C'est quand on a vu qu'on s'enlignait pour faire un énorme surplus, on s'est assis pour essayer de voir quelle était l'option qui pouvait avoir un impact le plus bénéfique pour un citoyen à long terme. Fait que dans le fond, de bénéficier de revenus non récurrents et qui pourrait donner un impact sur le long terme, plutôt que juste faire un gel immédiat du compte de taxes. Donc, en venant rembourser le fonds de roulement de 3,3 millions, normalement, le fonds de roulement est remboursable sur une période de 10 ans. Donc, on calcule en moyenne qu'on vient faire économiser dans le budget annuel de la Ville pour les 10 prochaines années 330 000 $ Donc, c'était l'option la plus long terme, disons, parmi tout ce qui était sur la table. Je me permets d'ajouter que, justement, quand on fait la déduction de ces revenus non récurrents et les dépenses COVID, on a un montant disponible pour 2021 de 1,4 million. Je vous rappelle que la subvention était initialement donnée pour l'exercice 2020-2021, donc il n'aurait pas été astucieux de tout dépenser en 2020, sachant qu'il y a d'autres dépenses à couvrir en 2021. Et le mandat qui nous avait été donné pour l'établissement du budget 2021 était de minimiser la taxation des citoyens. Donc, comme on ne pouvait pas déterminer combien de temps durerait la COVID-19, on a minimisé les dépenses liées à cette pandémie dans le budget 2021, sachant qu'on avait un surplus sur lequel on pouvait reposer là, pour 2021, ce qui évite que si la pandémie se termine plus tôt, on n'a pas surtaxé le citoyen. Puis si on a des dépenses importantes pour lesquelles on a besoin d'avoir un budget additionnel, bien, on a un montant qui est prévu déjà pour 2021. Donc, au niveau de l'état des surplus et des fonds réservés, je vous ai dressé ici le portrait de chacun des fonds que nous avons. Je suis désolé, dans une ville, il y a beaucoup de fonds, donc ça fait deux pages. Au niveau du surplus libre, au 31 décembre 2019, vous aviez 2,2 millions. En avril 2020, il a été résolu d'affecter certains de ces fonds-là. Donc, je ne vous ferai pas la nomenclature complète, là, mais vous avez les quatre premiers items qui ramenaient le surplus libre à 1,5 million. Lors de l'adoption du budget 2021, on est venu chercher 850 000 $ du surplus libre pour boucler le budget. Ce qui faisait qu'il restait un surplus libre avant le surplus 2020 de 650 000 $ Puisque nous avons fait un bon résultat de 2,5 millions, le surplus libre au 31 décembre 2020 est à la hauteur de 3 222 184. Ce qui vous est proposé ce soir, c'est de maintenir le surplus libre à la hauteur de 2,5 millions. Comparativement à 1,5 million pour les années précédentes. Comme je vous mentionnais un peu plus tôt, le 2,5 million va pouvoir permettre de faire face aux dépenses COVID à venir en 2021. Et comme je vous mentionnais, nous avons eu besoin de 850 000 $ pour boucler le budget 2021. Donc, si aucune action n'est prise cette année, si aucun revenu additionnel n'est disponible pour le budget 2022, il faut s'attendre à aller chercher minimalement 850 000 dans le surplus libre pour boucler le budget 2022. Ce qui ramène le 2,5 million à 1 650 000. Donc, le 2,5 peut paraître beaucoup, mais sachez qu'il y a déjà 850 000 qui est engagé. Au niveau des surplus affectés, dans le fond, c'est les montants qui ont été affectés par le Conseil dans les exercices précédents. Donc, vous avez la Sainte du Parc du Village et la Corporation des Fêtes du 150e qui n'ont pas varié, donc toujours à 32 000 et 80 000. Vous avez le fonds d'immobilisation qui a complètement été utilisé. Je fais une petite étoile pour ça. Là. Il y a une réserve financière pour immobilisation qu'on va voir à la prochaine diapositive. Ce qui est proposé ce soir, c'est dans le 722 000 qu'on viendrait affecter du surplus libre, 325 373 seraient affectés dans le fonds d'immobilisation. Vous avez le fonds vert qui a été créé l'année dernière à la hauteur de 122 117, comme M. Pichel le mentionnait plus tôt. Ce qui est proposé ce soir, c'est de le bonifier de 77 883 pour le ramener à 200 000 $ J'en profite pour dire que le montant de bonification tient compte
de l'engagement de la Ville dans le dossier du station de remplissage de lave-glace qui disait que pour chaque litre vendu, 25 sous seraient versés au fonds vert. Donc, le 77 000 inclut cette contribution qui est assez modeste pour 2020 parce que c'est entré en vigueur juste à partir du mois de novembre. Mais pour votre information, il y a 187 $ qui vient de cette contribution pour le lave-glace. Projet citoyen a été ramené à zéro parce qu'il a été réinvesti dans le fonds d'immobilisation. Budget 2020, on avait besoin de 902 000, ça a été placé dans le budget de 2020. Puis budget 2021, comme je vous mentionnais plus tôt, il y a 850 000 qui est affecté là, pour boucler ce budget. Au niveau des réserves financières, vous avez la réserve pour élection qui a été considérablement bonifiée cette année puisqu'on est en année électorale. Donc, elle cumule à 193 425 au 31 décembre 2020. Vous avez la réserve pour mobilisation que je vous parlais un peu plus tôt, qui, selon le règlement, permet seulement d'accumuler 1 million de $. Donc, je propose de ramener le solde de 761 000 et de bonifier de 238 845 pour que ça totalise 1 million. Et la réserve pour conditions climatiques avait été renflouée en cours d'année, donc elle correspond à 300 000 $, qui est le maximum selon le règlement en vigueur. Au niveau du fonds de roulement, vous remarquerez une augmentation de 2,6 millions, donc ça inclut le remboursement anticipé, le remboursement annuel prévu et une bonification qui avait été faite là, de 244 233 dans les affectations de l'année dernière pour un total de 3 419 917. Ce qui est proposé ce soir, c'est de le bonifier de 80 083 pour totaliser 3 500 000 $. Seuls disponibles des règlements d'emprunt fermé et fonds de stationnement n'ont pas varié significativement. Et au niveau des revenus reportés, vous avez toujours le fonds de parc et terrain de jeu à la hauteur de 95 000 et le mur du souvenir au CDL à la hauteur de 13 000 $. Au niveau des immobilisations et de la dette à long terme, nous avons une valeur comptable nette de nos immobilisations qui s'élève à 163 543 244 au 31 décembre 2020. Donc, pas d'augmentation considérable. Ce qui est au niveau de l'augmentation, c'est les investissements que nous avons faits en cours d'année qui sont capitalisables et la diminution est en grande majorité attribuable à l'amortissement de l'exercice. Vous remarquerez au niveau de la dette, il y a une forte augmentation, là, c'est qu'on est venu rattraper le financement de la rue Riverside. On est venu financer dans le 17 millions de dettes additionnelles. On est venu financer 13,8 millions, qui est attribuable 100% à Riverside. Donc, 9 millions pour les travaux que nous avions faits en 2019. Donc, nous étions sous financement. Et pour les travaux de 2020, 4,8 millions. Donc, c'est ce qui explique la hausse considérable de la charge à l'ensemble, mais c'est que dans le fond, l'année dernière, elle était sous-évaluée. Au niveau de la dette à la charge du gouvernement du Québec, on a une augmentation de 801 416. C'est au niveau de la subvention TEC 2019-2023, donc pour les travaux sur Riverside, pour la portion entre Alexandra et Bretagne. Et la dette à long terme était de 88 196 000 en 2019, et elle se situe maintenant à 99 326 000. Mais je vous rassure, dans le fond, la portion Riverside là, est presque complètement empruntée. Donc, pour les années à venir, on n'entrevoit pas là, des emprunts de cette ampleur. C'est un très long monologue rempli de chiffres, mais ça fait le tour de la présentation. Monsieur Pichet, oui. Allez-y. Oui, monsieur Brodeur, madame les conseillers municipaux. Moi, monsieur Marquis a remercié son équipe. Moi, à mon tour, j'aimerais remercier monsieur Maxime Marquis. La préparation des états financiers en début d'année, comme ça, c'est une période intense. M. Marquis, vous avez relevé le défi avec brio. Je vous en félicite et j'ai une très grande confiance en votre intégrité et je suis très heureux de pouvoir compter sur votre assistance au niveau des finances de la Ville. Merci beaucoup. Merci. M. Bichet, j'abonde dans le même sens que vous. Vous avez pris mon punch, mais vous allez profiter naturellement de compliments en double, monsieur Marquis. Vous avez dit, j'ai trouvé ça très délicat de votre part. D'emblée, vous avez remercié votre personnel qui vous a aidé à préparer ce budget-là. C'est une délicatesse que je souligne. Également aussi, je souligne la collaboration de tous les services qui facilitent votre tâche. Fait que donc, vous êtes à la hauteur. Fait qu'encore une fois, félicitations pour votre nomination. Et nous sommes très satisfaits du travail que vous avez fait. Merci. Je voudrais également aussi
remercier les membres du comité des finances et des ressources humaines. C'est un comité formé de bénévoles, d'anciens élus, donc c'est un comité qui se réunit et qui, si l'on veut, émet des commentaires, toujours pour faciliter le travail et d'agir dans les meilleurs intérêts. Fait que donc, oui, vous l'avez dit, c'est beaucoup de chiffres qui ont été présentés ce soir. Donc, il faut rappeler également aussi qu'on était, et nous sommes toujours en période de pandémie, COVID-19. Je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui rigolent. Mais ce n'est pas facile pour tous les services de travailler en cette période de COVID-19. Nous remercions le gouvernement du Québec de leur appui financier pour nous aider à passer à travers ces moments difficiles. Et c'est important de garder en mémoire dans les conditions qu'on travaillait. De plus également, il y a un historique à Saint-Lambert d'être une des premières villes à présenter les états financiers de 2020. Encore là, M. Marquis, vous continuez dans cette belle tradition qui fait en sorte que Saint-Lambert se démarque par rapport à d'autres villes de présenter très rapidement les états financiers. Fait qu'encore une fois, je vous félicite, mais restez avec nous. Donc, nous avons procédé au dépôt du rapport financier et nous allons passer maintenant au point 4.3, rapport du trésorier, sur les programmes de paiement comptant progressif pour l'exercice financier 2020. Vous en avez parlé. Oui, oui, bien, en fait, c'est voilà. Ça, c'est un dépôt, là, c'était pas dans... Excellent. Donc, nous sommes au point 4.4. Cette fois-ci, ça va nous prendre une résolution. C'est la modification à la politique de gestion des surplus. J'ai un proposeur. Oui, Monsieur le maire, Philippe Glorieux. Considérant l'adoption par le Conseil de la politique de gestion des surplus, résolution numéro 2018-04-106, considérant le Conseil a approuvé la modification de la politique afin d'utiliser le solde résiduel, le cas échéant, pour être versé dans le fonds vert. Considérant que la ville a réalisé un excellent fonctionnement important et elle souhaite gérer de façon judicieuse cet excédent dans le meilleur intérêt de ses citoyens, considérant la recommandation unanime du comité ressources humaines, finances et de la direction des finances, je propose de modifier la politique de gestion des surplus en remplaçant la section gestion des surplus par ce qui suit. Au point 1, maintenir un excédent de fonctionnement non affecté de 2 500 000 $, représentant environ 4 % du budget de fonctionnement, pour faire face aux situations exceptionnelles ou imprévues. Point 2, de rembourser toute somme à l'excédent de fonctionnement non affecté qui aurait été utilisé pour équilibrer le budget annuel, le cas échéant. Au point 3, renflouer la réserve pour conditions climatiques sous réserve du maximum prévu au règlement concernant la création d'une réserve financière pour financer les frais d'exploitation reliés à des conditions climatiques exceptionnelles ou imprévues. Point 4, de renflouer la réserve pour immobilisation sous réserve du maximum prévu au règlement concernant la création d'une réserve financière pour financer partiellement les coûts futurs en immobilisation. Point 5, de renflouer le fonds de roulement sous réserve du maximum prévu au règlement ayant pour objet l'augmentation du fonds de roulement. Point 6, de renflouer l'excédent affecté le fonds vert jusqu'à un maximum de 200 000 $. Et le point 7, d'utiliser le solde résiduel, le cas échéant, pour bonifier l'excédent affecté fonds d'immobilisation. Je vous remercie. Quelqu'un appuie M. Glorieux? Oui, je l'appuie. J'aimerais intervenir. Oui, M. Blancard, je pense, c'est vous? Oui. Allez. Alors, le but d'avoir une politique de gestion des surplus, quand on est dans le domaine administratif, c'est pas pour la modifier à chaque année. Malheureusement, ce qu'on fait depuis les années, c'est qu'à chaque année, on la modifie à la dernière minute, selon notre situation du moment, ce qui la rend pour le moins inopérante. C'est comme si on prenait notre plan de développement durable à chaque année, puis on disait, OK, cette année, on va changer ça, 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 parce qu'il nous est arrivé ça, ça, ça. Même chose pour notre plan de la mobilité durable, même chose pour toutes nos politiques structurantes, comme on dit, comme on les appelle.
Donc, je ne comprends pas pourquoi on se met toujours à changer notre politique de gestion des surplus. On l'a fait les dernières années, au moins 2-3 fois. Donc, puis pourquoi on réduit encore une fois la part allouée au fonds vert? Donc, pour moi, ça, c'est signe qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Puis, c'est pas parce que c'est recommandé par un comité de travail de la ville qu'il faut l'accepter. Ce sont les élus qui décident. Les élus municipaux doivent veiller au respect de nos politiques structurantes et non les changer à toutes les années au gré du vent. Alors, je vais voter contre. Je présume que vous demandez le vote. Fait qu'il y a un proposant, M. Glorieux l'a proposé, c'est appuyé par M. Beauze. Et nous allons passer au vote. Maître, Mme la greffière, veuillez, s'il vous plaît, appeler le vote pour le 4.4, modification de la politique de gestion des surplus. M. Le Châtelier. Pour. M. Glorieux. Pour. M. Rodrigue. Je suis contre. Mme Bourgoin. Je suis pour. M. Blancard. Contre. Mme Marcotte. Je vote contre. M. Beauze. Je vote pour. Mme Desaunier. Je suis pour. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous sommes maintenant au point 4.5, affectation de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire. Donc, je propose de répartir le surplus de l'exercice financier 2020 de la façon suivante. Premièrement, maintenir l'excédent de fonctionnement non affecté à 2,5 millions de dollars. Deuxièmement, renflouer la réserve pour immobilisation d'un montant de 238 845 $. Troisièmement, renflouer le fonds de roulement d'un montant de 80 083 $. Quatrièmement, renflouer l'excédent affecté fonds vert d'un montant de 77 883 $. Et finalement, de bonifier l'excédent affecté au fonds d'immobilisation d'un montant de 325 373 $. Quelqu'un appuie M. Beauze? Oui, j'appuie. C'est appuyé par M. Glorieux. J'aimerais intervenir. M. Blancard, allez-y. Oui, alors, plus tard ce soir, je pense qu'on va voter sur une résolution d'appui à un mouvement pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est le genre de chose qui est facile à faire, qui peut engageant, où les élus de tout acabit votent pour ce genre de résolution-là en se disant qu'ils font quelque chose pour l'environnement. Mais quand on regarde comment les gens votent au niveau des vrais enjeux, parce que oui, ça prend des sous pour faire la transition pour l'environnement, pour la transition écologique. Puis aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est de mettre un maigre 77 000 $ dans un fonds vert. C'est tout simplement pas assez. Les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit. Alors voilà, je vais voter contre. Je peux poser une question? Oui, allez-y, M. Beauze. Juste pour bien savoir, là, quand je vais voter, est-ce que le trésorier peut nous donner le montant d'argent qu'il va y avoir dans le fonds vert et dans le fonds pour réserve climatique après le dépôt du surplus qu'on propose? Oui. Donc, M. Beauze, au niveau de la réserve pour conditions climatiques, elle est à 300 000 $ et le fonds vert serait bonifié à la hauteur de 200 000 $ donc 500 000 $ au total. Donc, j'ai un proposeur, j'ai un appuyeur et nous allons, Mme la greffière, à nouveau passer au vote pour le point 4.5, l'affectation de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2020. Parfait. Monsieur Le Châtelier? Pour. Monsieur Glorieux? Pour. Monsieur Rodrigue? Je vais voter pour. Madame Bourgoin? Pour. Monsieur Blancard? Contre. Madame Marcotte? Je vote pour. Monsieur Beauze? Pour. Madame Desaunier? Je vote pour. C'est pour, comme sa majorité. Ça va? Donc voilà, c'est adopté. Je vous remercie. Nous sommes à 4.6, autorisation de dépenses reliées à la démolition du bâtiment 6 au 17 Avenue Fort. Est-ce que j'ai un proposeur?
Oui, Monsieur le maire, Julie Bourgoin. Je vais prendre le temps de lire le considérant parce que ça explique beaucoup le pourquoi des dépenses et le pourquoi de la démolition. Donc, considérant qu'en février 2021, un rapport d'inspection visuelle du garage municipal situé au 17 Avenue Fort a été effectué, considérant le rapport d'intervention de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail daté du 3 mars 2021, considérant la recommandation de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail d'effectuer des travaux majeurs de réhabilitation du bâtiment ou la démolition du garage municipal dans un délai maximal de 6 mois, considérant qu'une somme estimée à 397 020 $ sera nécessaire afin de pourvoir au financement d'une telle dépense, je propose que l'on autorise la relocation des employés, des véhicules et des équipements du 17 Avenue Fort et la démolition du bâtiment, de financer à même le programme de paiement comptant progressif la dépense d'environ 244 594 $ toutes taxes comprises relativement à l'acquisition de biens, équipements et au réaménagement des ateliers de menuisiers, des électriciens et du frigoriste, de financer à même le budget courant au poste 02-824-00522 la dépense d'environ 2 426 $ toutes taxes comprises relativement au démantèlement et remontage des abris temporaires dans la cour des travaux publics adjacents au 17 Fort, et de financer la démolition du bâtiment à même le surplus non affecté au montant estimé de 150 000 toutes taxes comprises. Je vous remercie. Quelqu'un appuie Mme Bourgoin? Oui, j'appuie Philippe Glorieux. C'est unanime? Monsieur le Président, j'aimerais intervenir. Monsieur Rodrigue. Historiquement, depuis 4-5 ans, toute fois qu'on fait des travaux dans des bâtisses, on a pris la méchante habitude de ne pas respecter les budgets. Alors, j'ai une question qui est importante. Est-ce qu'on a fait des tests de sol dans l'évaluation des coûts? Parce que c'est correct de démolir une bâtisse, mais après ça, si les sols sont contaminés, historiquement, c'est un lieu qui était, c'est une ancienne friche industrielle de Saint-Lambert. Alors, voilà ma question. Nous avons un rapport de la CSST. Monsieur le directeur général, un complément de réponse. Oui, monsieur le maire. En réalité, la dalle du bâtiment du 17 Fort ne sera pas touchée. Donc, il n'y aura pas d'excavation pour le moment. Évidemment, vous aurez bientôt, comme conseil municipal, à évaluer aussi le dossier de vétusté du bâtiment du 31-35 phares. Et c'est à ce moment-là qu'on adressera le problème de contamination des sols. Rappelons qu'il y avait une décontamination en 1993 suite au projet de construction. Mais les normes ont changé, donc on vous soumettra dans un projet futur le dossier aussi de contamination des sols. Mais pour le 17 Fort, je répète que le sol n'est pas touché, la dalle de béton est conservée. Monsieur le Président, merci, j'aimerais intervenir à nouveau suite à l'information qu'on m'a donnée. Justement, ça s'appelle pelleter les problèmes en avant. Et c'est une mauvaise habitude de gestion qui est à Saint-Lambert, puis qui est tout à fait inacceptable. On devrait avoir tous les tenants et les aboutissants d'un dossier avant de commencer des travaux. Je pense que c'est l'argent des citoyens. Puis en tant qu'élu responsable, je désapprouve cette façon de travailler, de dire « pour l'instant, on ne touchera pas à la dalle ». Pour l'instant, c'est ça. On a fait pareil avec la bibliothèque, on n'a pas touché aux fondations. Puis on a essayé de faire tenir une bâtisse dans laquelle on a eu des dépassements de coûts majeurs sur des fondations qui sont problématiques et pour lesquelles on attend toujours le rapport. Oui. Monsieur. Oui, merci. J'aimerais intervenir. Monsieur Blancard. Ben, moi, je vais voter pour ce point-là, mais quand même, je me demande pourquoi on a attendu d'avoir un rapport de la CNESST pour agir. Pourquoi négliger le lieu de travail des employés de notre ville de cette façon-là? C'est des questions. Merci. Donc, quelqu'un demande le vote. Donc, si personne ne demande le vote, le point 4.6, autorisation de dépenses reliée à la démolition du bâtiment, sise au 17 Avenue Fort, est maintenant adopté. Et je rappelle que nous avons agi suite à une inspection et recommandation de la CNESST.
C'est quand même pas une super gestion d'attendre que la S'il vous plaît, votre droit de parole, vous l'avez exercé, M. Rodrigue. Veuillez, s'il vous plaît, continuer à vous discipliner. Merci, nous sommes à 4.7, régime de retraite, autorisation de nouveaux signataires. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui, M. le maire, considérant que la Ville administre le régime de retraite des fonctionnaires et des salariés de la Ville de Saint-Lambert en vertu d'une convention de délégation de pouvoir conférée par le comité de retraite du dit régime en date du 18 décembre 2007, considérant l'arrivée en poste du nouveau trésorier adjoint suite à la nomination du directeur des finances et trésorier, considérant que pour l'administration du régime, il est nécessaire de procéder à une mise à jour des signataires autorisés suivant une formule, un formulaire prescrit, je propose d'approuver la désignation des nouveaux signataires autorisés pour le régime de retraite des fonctionnaires et des salariés de la Ville de Saint-Lambert suivant le formulaire prescrit signé le 8 avril 2021, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Quelqu'un appuie Mme Bourgoin? Madame Marcotte, excusez, Madame Marcotte. Moi, je peux l'appuyer. C'est unanime, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 5. La ressource humaine, 5.1, dépôt de la liste des embauches. Madame la greffière. Oui, donc on procède ce soir au dépôt de la liste des embauches pour la période du 10 mars au 7 avril 2021, document fourni par le service des ressources humaines. Je vous remercie. Nous sommes maintenant à 5.2, embauche du chef de service de greffe, du greffe et du contentieux. Quelqu'un propose? Oui, je propose, Monsieur le maire, d'embaucher Madame Sandra Ruel au poste de chef de service du greffe et du contentieux avec entrée en fonction le 3 mai 2021, selon les conditions de travail prévues au protocole du personnel cadre présentement en vigueur. Je l'appuie. C'est appuyé par M. Beauce. C'est unanime. J'aimerais intervenir. M. Blancard. Il y a eu beaucoup énormément de mouvements de personnel dans ce département-là, en plus d'une restructuration. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer pour le bénéfice des citoyens le nouvel organigramme? Oui, l'organigramme sera sur le site de la Ville, si vous voulez, dès demain. Comme j'aurais dû le dire tantôt. J'aurais dû le dire tantôt également aussi. Tous les chiffres qui ont été présentés par M. Maxime Marquis seront sur le site de la Ville dès demain, c'est exact, ou dans les jours qui suivent, M. le directeur général? Oui, effectivement. Par rapport à la présentation de Maxime demain matin, aucun problème. Pour répondre à la question de M. Blancard, le conseil municipal a été rendu public là, à la dernière séance. Le conseil a accepté la réorganisation de la direction du greffe en mettant sous la responsabilité de la directrice du greffe le service des approvisionnements. Donc, le poste de greffier adjoint était vacant. Vous connaissez aussi les raisons. Donc, ce poste-là est à pourvoir et nous sommes heureux ce soir de vous proposer l'embauche d'une excellente candidate. Ça va. Est-ce que c'est unanime? Personne ne demande le vote. Donc, je transmets au nom des membres du Conseil nos félicitations à Mme Sandra Ruel, qui sera avec nous à compter du 3 mai et qui aura à vivre des élections municipales à Saint-Lambert au mois de novembre. Nous sommes maintenant au point 6, appel d'offres et contrats. Nous sommes à 6.1, adjudication du contrat 21GN04, reconstruction des rues Bromley, Osborne, Montrose à Rivermere et Rivermere à Riverside et Osborne. Quelqu'un propose? Oui, M. le maire, je propose qu'on adjuge le contrat de construction numéro 21GN04, ayant pour objet la reconstruction des rues nommées. Au plus bas soumissionnaire conforme, Excavation Civil Pro Inc. pour un montant total estimé à 4 533 667,70 $ sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix toutes taxes comprises. D'autoriser la dépense de 4 760 351,08 $ toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat de 4 533 667,70 $ à laquelle s'ajoute une somme équivalente à 5% à titre de travaux contingents, conformément à la directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction, d'imputer la somme de 2 272 989,78 $ toutes taxes comprises, au règlement décrétant une dépense de 4 143 000 et un emprunt au même montant aux fins de la réalisation des travaux,
ayant pour objet la reconstruction, je répète, les avenues de Bromley, ainsi que de celle de la partie d'Ali Osborne, comprise entre l'avenue Alexandra et le boulevard de Montrose. Quelqu'un appuie, Madame Bourdoin. Député, la somme de 2,485,361,30 $, toutes taxes comprises, au règlement décrétant une dépense de 3,460,000 $ et un emprunt au même montant aux fins de la réalisation de travaux de reconstruction de la partie de la rue Osborne comprise entre les avenues Rivermere et Alexandra, ainsi que la partie de l'avenue Rivermere comprise entre les rues Osborne et Riverside, est autorisé la chef de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution. Pardon. Voilà, Madame Bourgoin, je vous remercie. Quelqu'un appuie maintenant, Madame Bourgoin. Oui. Madame Bourgoin, c'est appuyé, c'est unanime. Je vous remercie. Donc, nous sommes maintenant au point 6, au point 2. Acquisition de matériel de protection au parc Saint-Charles et au parc de la voie maritime. Quelqu'un propose? Oui, je propose, considérant les enjeux de sécurité et risques de blessures sur les deux terrains de baseball situés sur le territoire de la ville, soit au parc Saint-Charles et au parc de la voie maritime, d'approuver l'acquisition d'un filet de protection et d'un écran soleil auprès de l'entreprise 9216-498 Québec Inc. au montant total de 30,854,70 $, toutes taxes comprises, d'imputer la dépense au programme de paiement comptant progressif et d'autoriser la chef de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution. Quelqu'un appuie Mme Desaulniers? Oui, j'appuie, Mme Desaulniers. C'est appuyé par M. Delorieux. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant au point 6, point 3. Adjudication du contrat de services professionnels et d'architecture du paysage pour l'élaboration des plans et devis de la surveillance des travaux de réfection au parc Gordon. Quelqu'un propose? Quelqu'un propose? J'avais un dénommé M. Loïc Blancard sur ma liste. Je peux prendre le relais, si vous voulez. Allez-y, M. Delorieux. OK, je propose que, considérant les aspects techniques et les spécialités requises pour la réalisation des plans de vie entourant les travaux de réfection du parc Gordon, considérant le système de pondération d'évaluation des offres élaborées par la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux pour la réfection du parc Gordon, approuvé par le Conseil lors de la séance du 2 juillet 2019, considérant le lancement de l'appel d'offres en date du 25 février 2021, d'adjuger le contrat de service professionnel numéro 21GN13SP ayant pour objet les services professionnels d'architecture du paysage pour l'élaboration des plans et devis et de la surveillance pour les travaux de réfection du parc Gordon au plus bas soumissionnaire conforme au paysage architecte paysagiste Inc. pour un montant total estimé à 54,268,20 $ sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix. D'imputer les dépenses au règlement d'emprunt, règlement 2017-146, décrétant une dépense de 440,997 $ et un emprunt de 325,000 $ pour l'acquisition et l'installation d'une glissade à la piscine du parc de la voie maritime, l'amélioration du parc Gordon, l'acquisition et l'installation d'équipements divers. Autoriser la chef de division de l'approvisionnement et les projets spéciaux à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution. Je vous remercie, M. Delorieux. Quelqu'un l'appuie? Oui, j'appuie. C'est appuyé par Mme Desaulniers. C'est unanime? J'aimerais intervenir. M. Blancard, on vous écoute. Oui. On nous a dit qu'il allait avoir un comité citoyen. J'aimerais peut-être avoir des précisions sur comment ça va être formé, qui va être, comment va être formé ce comité-là, qui va être dessus aussi. Est-ce que le travail qui avait été fait dans le précédent mandat par le comité embellissement qui avait soumis une proposition sur ce parc-là va être pris en compte? Parce qu'à nous, il ne nous a pas été présenté, donc je me demandais, comme il y a des gens qui ont déjà travaillé là-dessus, est-ce que ça va être pris en compte? Monsieur le directeur général, je présume que les documents ont été étudiés par notre personnel.
Effectivement. On va d'abord travailler à un projet préliminaire qui sera présenté dans un premier temps au conseil municipal et à un comité citoyen. C'est au centre-ville. Il me semble évident que la Corporation de développement économique, des membres de la Corporation de développement économique seront joints à ce comité-là, mais c'est au conseil municipal à décider la composition de ce comité-là. Donc, en temps et lieu, je pense qu'il faut d'abord, avoir la chance de présenter un esquisse. Oui. Monsieur le Président, j'aimerais intervenir. Monsieur Rodrigue. Bon, dans un premier temps, il y a un diagnostic qu'il faut quand même faire au niveau de l'organisation. On a une organisation à Saint-Lambert depuis les 5 dernières années qui est rendue assez importante, où on a beaucoup de chefs de division, tout ça. Et on se rend compte qu'on continue quand même à donner extrêmement, une quantité assez importante de contrats à l'externe pour des choses qu'on ne peut pas faire. Le maire parle souvent des prochaines élections. J'espère que les gens se pencheront sérieusement pour amaigrir toute la structure de direction de cette ville-là, qui est un très mauvais héritage. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est que, chers citoyens, il faudra être très vigilant pour s'assurer qu'on ne fasse pas comme avec le Parc L'Espérance, qui est passé d'un budget de 2,29 millions, puis qui a terminé au-dessus de 4 millions de façon responsable. Monsieur Rodrigue, je vous arrête, Monsieur Rodrigue, vous allez trop loin. Monsieur Rodrigue, ça fait plusieurs fois, Monsieur Rodrigue, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Monsieur Rodrigue, on vous a à maintes reprises ramené à l'ordre sur l'exagération de vos propos par rapport au Parc L'Espérance. Le Parc L'Espérance s'est réalisé sur les recommandations et du respect du budget que le conseil municipal a monsieur voté. Monsieur le maire, parce que vous êtes contre, monsieur Rodrigue, je ne veux pas lever, monsieur, s'il vous plaît, question d'ordre, s'il vous plaît. Et le projet a fini à 4,1 millions. Monsieur Fabien. Je suis très heureux. Monsieur Fabien, s'il vous plaît, J'ai la parole et je veux simplement dire, nous sommes au point 6.3, c'est l'adjudication du contrat pour le parc Gordon. S'il vous plaît, veuillez vous en tenir à des propos qui concernent le parc Gordon par rapport aux propos du parc Espérance. Je pense qu'on vous a donné assez d'occasions par le passé. Vous nous l'avez répété à maintes reprises. Nous avons répondu à vos commentaire, fait que s'il vous plaît, veuillez vous en tenir au point 6.3 et c'est sur les travaux de réflexion du parc Gordon. Merci. Il y a un proposant et il y a un appuyeur. Si personne ne demande le vote, nous allons passer au point 6.4. Donc, ça va, nous sommes maintenant au point 6.4. Adjudication du contrat, service professionnel et contrôle des matériaux, études géotechniques et caractéristiques environnementales. Est-ce que j'ai un proposeur? Philippe Glorieux, oui. Considérant que lors de la séance ordinaire du 15 février 2021, le Conseil a approuvé le système de pondération d'évaluation des offres relativement à la fourniture des services professionnels pour l'année 2021, considérant l'importance du service en avant-projet et du contrôle de matériaux lors de la réalisation des travaux dont les résultats d'études géotechniques et caractérisation environnementale des sols, d'adjuger le contrat de service professionnel numéro 21-GN10 ayant pour objet les services professionnels en ingénierie pour les services de contrôle des matériaux, études géotechniques et caractérisation environnementale au plus bas soumissionnaire conforme FNX Innov Inc. pour la durée initiale du contrat estimée à 430 990 $ sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau des prix, de prévoir que les mandats seront octroyés dans les projets à être approuvés et dont la source de financement sera déterminée pour chacun de ces projets, d'autoriser le chef de la division d'approvisionnement et des projets spéciaux à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Quelqu'un appuie M. Glorieux? Oui, je l'appuie. C'est unanime? Je vous remercie. Nous allons passer. Monsieur le Président, j'ai un point d'ordre. J'ai un point d'ordre, là. Je pense que c'est sérieux. Allez-y, Monsieur Rodrigue. Je ne sais pas. Faudrait parler à votre technicien. Ce n'est pas normal que le son, un de mon micro, soit coupé.
C'est contre la déontologie que vous souhaitez. Vous parlez souvent de respect. Monsieur, ça, c'est le premier respect appliqué. Deuxièmement, j'ai manqué une partie d'écoute de la séance publique. Alors, je veux dire, je ne sais pas ce qu'on essaie de se pratiquer. C'est pour la reprise du festival Juste pour rire, j'ai aucune idée. Mais j'aimerais Monsieur ça. Rodrigue, et j'apprécierais que votre technicien ne fasse plus aucune intervention que ce soit au niveau du son. Qu'il s'en tienne à reproduire la séance publique pour nos citoyens et citoyennes qui en payent le prix et son salaire. Bon, nous sommes maintenant rendus au point 6.4, service professionnel de contrôle des matériaux. Donc, il y a eu un proposeur, puis il y a eu un appuyeur, et c'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes à 6.5, résiliation du contrat de service, entretien des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que lors de la séance ordinaire du 17 octobre 2016, le Conseil a octroyé le contrat de service numéro 16BA04 d'une durée d'un an à l'entreprise Les Industries Garanties Inc. pour l'entretien des systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage des bâtiments municipaux au montant évalué à 31 493,95 toutes taxes comprises. La résolution 2016-10-261. Considérant le changement de structure organisationnelle de la direction des travaux publics avec l'embauche d'un frigoriste, je propose d'autoriser la résiliation du contrat de service numéro 16BA04 octroyé à l'entreprise des Industries Garanties Inc. relativement à l'entretien des services de ventilation, climatisation et de chauffage des bâtiments municipaux et d'autoriser le chef de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer pour et au nom de la Ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution. Quelqu'un appuie Mme Marcotte? Oui, je l'appuie. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant rendus au point 7, l'administration. Le point 7.1 se lit comme suit. Ajout d'un sens unique et interdirection de stationnement sur la rue Place du Mans. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, considérant les nouvelles largeurs de voies de circulation de ce concept proposé, en raison de l'ajout d'un espace vert et de l'augmentation des espaces de stationnement sur la place du Mans, considérant l'acceptation du concept par les élus lors d'une présentation le 25 janvier et de la présentation publique aux citoyens de ce concept le 10 février dernier, d'autoriser la mise en place d'un sens unique sur la place du Mans dans le sens anti-horaire afin de faciliter les opérations de déneigement, d'autoriser l'interdiction de stationnement pour des cases au centre de la place le jeudi de 8h à midi afin de faciliter les opérations d'entretien et de prévoir l'installation des panneaux de signalisation requis. Je vous remercie. Quelqu'un appuie Mme Bourgoin? Ah oui, j'appuie. Je laisse. Monsieur Delorieux appuie Mme Bourgoin. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant au point 7.2. Demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications, programme de développement, collection des bibliothèques publiques autonomes. Quelqu'un propose? Oui, je propose d'autoriser la chef de la division de la bibliothèque à produire et à déposer, à titre de mandataire de la Ville, une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Quelqu'un appuie Mme Desaunier? Oui, j'appuie Mme Desaunier. C'est appuyé par M. Glorieux. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes à 7.3. Adoption du plan stratégique de la Ville de Saint-Lambert 2021-2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur le maire, je propose d'adopter le plan stratégique 2021-2025, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Quelqu'un appuie M. Bowles? Oui, je l'appuie. C'est unanime. Est-ce que c'est... C'est unanime? J'aimerais intervenir. Monsieur Blancard, à vous la parole. Oui. Alors, dans le plan stratégique, on parle de l'installation des 380 compteurs d'eau à des fins statistiques qui nous est imposée par Québec. Par contre, on va engager prochainement quelqu'un qui va venir travailler sur cette problématique-là à la ville, sur l'eau spécifiquement. On a aussi des citoyens qui se penchent sur le sujet. Au comité environnement, on a voulu inviter un citoyen qui vienne nous partager le fruit de ses recherches
Parce qu'on s'entend qu'il faut réduire notre consommation d'eau potable, mais on ne s'entend pas sur, d'abord, un, la validité des données qui sont fournies. Puis on veut travailler à voir comment on va résoudre ce problème-là de la meilleure manière qui soit. Donc, de déjà présumer, moi, je pense que c'est prématuré de dire qu'on a absolument besoin de ces compteurs-là à l'heure actuelle. Deuxième chose, dans le plan stratégique, il n'y a pas grand-chose sur l'accès à l'information pour les élus, pour les citoyens. On sait qu'en ce moment, c'est difficile d'avoir accès aux informations. On nous dit qu'on peut seulement avoir l'information si c'est essentiel à notre prise de décision. Donc, nous, les conseillers, on est un peu sur le même pied que de simples citoyens. On nous demande de faire des demandes d'accès si on veut avoir des accès à des documents autres que ceux qui se rapportent à des points à l'ordre du jour. Puis il n'y a rien non plus dans le plan sur les processus de consultation publique pour les améliorer. Donc, voilà. Nous avons un proposeur et un appuyeur, et j'en profite pour remercier Mme Desaulniers et M. Beauce qui ont travaillé sur le plan stratégique de développement de la ville. Donc, souvent, des fois, il faut, comme élu, se rendre disponible et mettre la main à la pâte. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, le point 7.3 est maintenant adopté. Nous sommes demandés le vote. Parfait. Président. Donc, Madame la greffière, s'il vous plaît, veuillez appeler le vote pour le point 7.3, qui est l'adoption du plan stratégique de la ville de Saint-Lambert 2021 à 2025. Madame la greffière, je vous laisse la parole. Monsieur Le Châtelier. Oh. Monsieur Glorieux? Pour. Monsieur Rodrigue? Je suis contre. Madame Bourgoin? Et pour. Monsieur Blancard? Contre. Madame Marcotte? Contre. Monsieur Bowles? Pour. Madame Desaulniers? Je suis pour. Je vous remercie, c'est adopté. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer au point 7.3. Donc, c'est un dépôt du rapport d'une experte indépendante sur le projet du quartier Victoria Maître. Madame la greffière, excusez. Pas de problème. Donc, suite à la résolution adoptée par le Conseil 2020-10-305, je procède au dépôt du rapport rédigé par Madame Danielle Pillette, membre émérite de l'Ordre des urbanistes du Québec et professeur associé au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. J'aurais une question. Je vous remercie, Madame la greffière. Monsieur Blancard. Alors, comment les citoyens vont pouvoir le consulter, ce rapport-là? Pourquoi ne pas l'avoir tout simplement diffusé à même les documents fournis sur Internet avec l'ordre du jour? Ça aurait été beaucoup plus simple. Vous savez, parce qu'il est quand même très intéressant, ce rapport-là. Vous savez, M. Blancard, des fois, on est accusé à tort de transparence. Nous avons voulu agir en toute transparence. Ça a été demandé lors d'une réunion régulière du Conseil municipal. Et ce soir, en toute transparence, nous déposons le rapport qui est complet et qui devient accessible à toutes les personnes de Saint-Lambert. Donc, on a fait les choses correctement, mais quand vous savez, on est toujours exposé à la critique. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que les gens vont devoir faire une demande d'accès à l'information pour avoir accès au rapport? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous nous écoutez des fois, M. Blancard? Le rapport sera déposé demain sur le site web de la ville. C'est justement l'objet d'un dépôt public au Conseil ce soir. Voilà, donc ça, c'était une réponse claire. Oui, bien, des fois, il faut faire des efforts pour comprendre. Mais ceci étant dit, nous sommes au point 7.5, projet Lumifest en cavale. Quelqu'un propose? Oui, je propose d'approuver le projet Lumifest en cavale qui consiste à effectuer de la projection d'œuvres d'art visuelles, numériques, professionnelles pour une durée de 4 semaines entre la mi-août et la mi-septembre en alternance du jeudi au mardi. D'autoriser le paiement de 8 428,68 $ à l'entreprise d'asphalt diffusion et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-111-00-971. Quelqu'un appuie Mme Desaulniers? Oui, j'appuie. Philippe C'est Glorieux. Appuyé par M. Glorieux. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant au point 7.6.
adoption de la politique de développement durable de la ville de Saint-Lambert 2021. Quelqu'un propose? Oui, alors je vais proposer. Alors, je propose d'adopter la politique de développement durable de la ville de Saint-Lambert 2021, incluant les actions concrètes ancrées dans le contexte et le besoin de durabilité lambertois, et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville la dite politique. Quelqu'un appuie, j'appuie. M. Blancard? J'appuie. C'est appuyé par Mme Marquette, je pense, c'est exact. C'est unanime. Je vous remercie. 7.7. Entente de règlement à l'amiable avec le 171 avenue Hickson, donc avec son propriétaire. Quelqu'un propose? Monsieur le maire, j'ai juste une information de M. Bose qui devrait, qui doit s'absenter, là. Je vais m'absenter 5 minutes pour régler quelque chose dans le bâtiment. Je reviens tout de suite après. Merci quand, de nous prévenir. Quand vous allez voir apparaître, c'est que c'est enregistré. Merci. Donc, 7.7, entente de règlement à l'amiable pour le 171 avenue Hickson. Est-ce que j'ai un proposeur? Bien, c'était pas moi qui était tenté, supposé le proposer, mais je vais le faire. Je propose que l'on autorise Maître Martine Savard, avocate, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de règlement à l'amiable jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui, j'appuie. Est-ce qu'on devrait changer Mme Savard pour... Ouais. Oui, hein? J'y ai pensé en le disant. C'est un bon point. C'est que... Ah, OK, donc ça va, c'est conforme, c'est correct, c'est bien. Parfait. Donc, c'est appuyé par... C'est appuyé par... Philippe Glorieux. Philippe Glorieux, excellent. Monsieur Blancard, vous avez demandé la parole? Oui. Alors, le conseil municipal avait décidé d'entamer des procédures judiciaires contre un entrepreneur qui rénove des maisons pour les revendre, qui avait à dessein abattu 2 arbres matures. On avait replanté 2 espèces non autorisées par la ville sur la bande appartenant à la ville devant chez lui. Je veux juste intervenir, M. Blancard. Vous dites des choses qui ne sont pas nécessairement justes. Il n'a pas abattu les 2 arbres. C'est la ville qui a dû les abattre. Il les a fait mourir. Et puis, voilà, donc, il faut faire attention parce que c'est un dossier juridique. Son intervention, oui, mais je comprends, Mme Marcotte, mais c'est un dossier juridique. Donc, il faut s'en tenir aux propos appropriés sur la situation. J'ai un point d'ordre. Je pense que la conseillère Bourgoin n'est pas présidente d'Assemblée. Excusez, en tant que président d'Assemblée, je vais vous ramener à l'ordre. Donc, la question, exactement. Excusez, c'est moi qui ai la parole. Pour l'instant. Je veux juste demander à tout le monde de collaborer. Il est rendu 22 heures. Je répète, essayez de faciliter le travail de notre greffière. C'est un document. On en a parlé en comité. On a tous eu la chance de s'exprimer là-dessus. Vous savez, en politique, c'est la majorité qui l'emporte, donc il y a eu une décision majoritaire. Fait que je vous demande, M. Blancard, d'accepter le verdict. Prononcez-vous, mais allez-y, je vous écoute. Mais je veux juste dire que j'avais dénoncé le Far West qui régnait à Saint-Lambert, les rénovations. Dans ce cas-ci, c'est l'entrepreneur qui a fait des grosses rénovations, qui a fait tellement de travaux, qui a fait mourir 2 arbres matures. Puis la somme qui nous est payée, ou bien ce qui est sur le point d'être accepté, est tout simplement dérisoire. C'est des peanuts comparé au prix de vente de la maison. Alors, si c'était à recommencer demain matin, je suis certain qu'il y a plusieurs entrepreneurs de la sorte qui recommenceraient, parce que pour eux, c'est un simple calcul coût-bénéfice. Et nous, ce qu'on fait en acceptant ça, puis en baissant pavillon par rapport à cette poursuite-là, ben on vient dire aux gens qui font des flips à Saint-Lambert, bienvenue, venez continuer à battre nos arbres. On est content de vous accueillir chez nous. Donc, moi, je suis contre cette résolution-là. Donc, vous demandez le vote, M. Blancard, si j'ai bien compris. Oui. Donc, voilà, il y a une proposition, c'est proposé.
Camille Sebois par Mme Bourgoin, c'est appuyé par M. Glorieux. Fait que, Mme la greffière, je vais vous demander à nouveau d'appeler le vote. M. Le Châtelier. Pour. M. Glorieux. Pour. M. Rodrigue. Je suis contre. Mme Bourgoin. Je suis pour, mais je tiens à noter un commentaire après. Si je peux, après le vote, ou est-ce que je peux le faire maintenant? Non, attendez, après le vote, s'il vous plaît. Après le vote? Oui. Monsieur, merci. Monsieur Blancard? Moi, je suis contre. Madame Marcotte? Contre. Monsieur Bowles, il est de retour, oui. Oh oui, il est de retour. Merci. Madame Desaunier? Oh. Parfait, donc c'est la majorité. Adopté à la majorité, Madame Bourgoin, à vous la parole. Je tenais juste à ajouter que Monsieur Lewick a partiellement raison. Donc, on vote pour clore le dossier judiciaire. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi voir si on a une chance de gagner en tant que municipalité. Et dans ce dossier-ci, il y avait ça à l'enjeu aussi. Dépenser des sous pour dépenser des sous. Il y a une pénalité qui a été payée par M. Gendron. Et on est tous très conscients du phénomène des flippers. Dans mon district, le district 4, il y en a énormément. Et puis, je suis très alerte à ça. Et pas d'accord du tout qu'on abatte des arbres. C'est un dossier sensible. On le traite de la façon la mieux pour la situation financière et la situation sur le territoire de Saint-Lambert-des-Arbres et tout. C'est pas une petite amende qu'on a fait payer à M. Gendron en passant. Je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant passer au point 7.8, entente de partenariat avec la CDE et Martin Duchesneau pour la réalisation de la fête du village urbain, édition 2021 et 2022. Monsieur le directeur général, vous aviez un commentaire? Il y aurait une pause santé, M. le maire, à faire. Oui. Au moment-ci de cette réunion. Effectivement, oui. Nous allons ajourner pour une période de 10 minutes. Voilà, donc, ajournement pour une période de 10 minutes.
Détient le couvre-feu. Non, M. Brodeur, c'est 21h30, mais nous avons des... Okay. Oui. Donc, voilà, mesdames et messieurs, nous reprenons les délibérations pour la séance du Conseil municipal de Saint-Lambert. Merci de votre compréhension. Nous sommes rendus au point 7.8. C'est l'entente de partenariat avec la Corporation du développement économique et Martin Duchesneau pour la réalisation de la fête du village urbain, édition 2021 et 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je peux proposer d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente de partenariat et contribution monétaire à intervenir entre la Corporation de développement économique de Saint-Lambert, le promoteur Martin Duchesneau et la Ville de Saint-Lambert relativement à une convention pour la réalisation de la fête du village urbain pour les éditions 2021 et 2022 et d'abroger la résolution 2021-02-46 adoptée par le Conseil lors de la séance ordinaire du 15 février 2021 relativement à l'entente de partenariat avec la CDE de Saint-Lambert et la Grande Fête. Quelqu'un appuie, Mme Desaulniers. Oui, je l'appuie, M. Maire. Appuyé par M. Beauze, c'est unanime. J'aimerais intervenir. M. Blancard, à vous la parole. Alors, pour sensiblement, pour la même raison que la dernière fois, je considère que c'est prématuré d'engager des sommes pour un événement de ce type-là, dans le contexte sanitaire dans lequel on se trouve. Selon toute vraisemblance, il y a peu de chances que ça ait lieu. Donc, d'engager des sommes, de dépenser des sommes dès maintenant pour la préparation de cette fête-là, ce n'est pas une saine gestion des finances publiques. Donc, voilà. Merci. J'ai un proposeur, j'ai un appuyeur, M. Beauze. Oui, juste peut-être M. Pichet pourra confirmer, mais si je ne me trompe pas, cette version-ci est une version adaptée aux mesures sanitaires. Vous avez parfaitement raison, M. Beauze. Vous assistiez au même conseil d'administration que moi de la Corporation de développement économique et c'est une braderie. Évidemment, il n'y aura pas de spectacle à grand déploiement comme la ville de Saint-Lambert les connaissait à l'époque. Donc, effectivement, on l'adapte à la présente situation. Excusez, M. Blancard, il y a Mme notre greffière qui a... Oui, à vous la parole. Merci. C'est parce que je veux juste préciser, et c'est mon erreur, Mme Desaulniers, c'est la résolution 2021-02-49 qu'on résilie et non 46. Je suis désolée de cette coquille. Vous êtes pardonné. Merci. Bon. C'est tout. Merci. Ça va? S'il n'y a personne qui demande le vote, c'est adopté à l'unanimité. Je vais demander le vote. Donc, voilà, Mme la greffière, prenez votre temps. Je vais demander le vote. Prenez votre temps. Monsieur Blancard a demandé le vote. Mme la greffière, quand vous êtes prêt. Donc, Monsieur Le Châtelier. Pour. Monsieur Glorieux. Pour. Monsieur Rodrigue. Pour. Madame Bourgoin. Pour. Monsieur Blancard. Contre. Madame Marcotte. Pour. Monsieur Beauze. Pour. Merci. Et Madame Desaulniers. Pour. Parfait. Donc, c'est à majorité. Je vous remercie. C'est adopté à la majorité, comme vous dites si bien, Mme la greffière. 7.9, campagne mondiale, objectif zéro. Quelqu'un propose? On va passer au point 8. Bien, je vais proposer, alors, 7.9. Je peux y aller? Qui? S'il n'y a pas de proposeur, on s'en va au point 8.1. Je propose 7.9. 7.9. De joindre la campagne mondiale Objectif Zéro, Race to Zero, menée par la présidence de la COP26 et les champions de haut niveau pour le climat,
ayant pour but de mobiliser les entreprises, les villes, les régions et les investisseurs en faveur d'une transition écologique saine, résiliente et sans carbone, afin de prévenir les risques futurs, de créer des emplois décents et de favoriser une croissance durable et inclusive, d'autoriser la chef du service de l'environnement à signer électroniquement la déclaration Objectif zéro au nom de la ville. Quelqu'un appuie, c'est appuyé par M. Beau, c'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant rendus au point 8, à l'urbanisme. À 8.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Quelqu'un? Allez-y, donc, on procède ce soir au dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 2021 du comité consultatif d'urbanisme. Je vous remercie. À 8.2, c'est les demandes de dérogation mineure et nous n'en avons pas. Donc, nous allons passer au point 8.3, demande d'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Il y en a plusieurs, fait que donc, on va y aller. Par ordre, on va y aller, si vous le voulez bien, avec le 8.3.1. Donc, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 338 Avenue Edison. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'approuver le plan, le PIA, présenté pour la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 338 Avenue Edison aux conditions suivantes. Les nouvelles fenêtres proposant façade avant doivent être composées de meneaux verticaux. Le revêtement de bois doit être peint de couleur gris plus pâle. Quelqu'un appuie, M. Blancard? J'appuie, Philippe Glorieux. C'est appuyé par M. Glorieux. C'est unanime? C'est unanime, Madame la greffière. 8.3.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 937 rue Boissy. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je peux proposer un instant. Je peux proposer d'approuver le plan d'implantation d'intégration architecturale présenté pour la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 937 rue Boissy. Conditions suivantes. Le revêtement d'aluminium doit être de couleur noire. La brique d'argile existante au-dessus des fenêtres donnant sur la façade du garage doit être conservée. La colonne à la droite de l'entrée principale doit être appuyée sur le muret en brique tel que l'existant. La colonne recouvrant la galerie couverte en façade avant devrait être de forme identique à l'existant et être composée du même matériau que l'existant. Quelqu'un appuie, M. Glorieux? J'appuie. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes à 8.3.3. Toujours le plan d'implantation, cette fois-ci pour le 320 boulevard Union. Quelqu'un propose? Je propose qu'on approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale présenté pour les agrandissements et la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 320 boulevard de l'Union. Quelqu'un appuie? Madame Bourgoin. Oui, je l'appuie. C'est appuyé par M. Glorieux. C'est unanime. On est à 8.3.4. Toujours le plan d'implantation, cette fois-ci pour le 246 rue Deslandes. Quelqu'un propose? Oui, je propose d'approuver le plan d'implantation de PIA présenté pour l'agrandissement au-dessus du garage et la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 246 rue Deslandes aux conditions suivantes. Le nouveau volume à l'étage doit être à une distance minimale de 2,4 mètres de la ligne latérale droite du terrain. Les fenêtres à l'étage donnant sur l'élévation avant du bâtiment doivent être alignées horizontalement et être de même hauteur. La nouvelle fenêtre proposée à l'étage au-dessus du garage doit être centrée avec la porte du garage existante. L'ensemble des volets existants doit être retiré. Quelqu'un appuie, M. Dorier? J'appuie. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant à 8.3.5, le plan d'implantation, cette fois-ci, pour la 514 Avenue Maple. Quelqu'un propose? Oui, je propose d'approuver le PIA présenté pour la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 514 Avenue Maple aux conditions suivantes.
un détail architectural en bois délimitant verticalement les deux maisons unifamiliales jumelées doit être intégré à la façade avant du bâtiment. Les garde-corps et mains courantes donnant sur la galerie avant doivent être composés de bois de couleur blanche posé à la verticale. Quelqu'un appuie, Mme Marcotte? Oui, j'appuie. C'est appuyé, c'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant à 8.3.6. Toujours le plan d'implantation, cette fois-ci pour la 516 Avenue Maple. Quelqu'un propose? Oui, je propose d'approuver le PIA présenté pour la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 516 Avenue Maple aux mêmes conditions que l'immeuble situé au 514 Maple que vous, qui vient d'être énuméré. Quelqu'un appuie, Mme Marcotte? Oui, j'appuie le projet. Appuyé par M. Glorieux et adopté à l'unanimité. 8.3.7, cette fois-ci pour la 577 Avenue Payne. Quelqu'un propose? Oui, je propose d'approuver le PIA présenté pour la transformation de la façade pour l'immeuble situé 577 Avenue Payne aux conditions suivantes. La couleur proposée pour les éléments en bois sous-jacent à l'entrée principale doit être dans les mêmes teintes que les lucarnes ou que la brique d'argile qui sera décapée. Des croquis couleurs illustrant cette nouvelle proposition doivent être déposés au service de l'urbanisme. Quelqu'un appuie, Mme Marcotte? Oui, j'appuie, Mme Marcotte. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes à 8.3.8 pour le 302 Avenue Stanley. Qui propose? Je propose d'approuver le PIA présenté pour l'agrandissement, le rehaussement du bâtiment et la transformation de la façade pour l'immeuble situé au 302 Avenue Stanley à la condition suivante. Les colonnes, garde-corps et mains courantes donnant sur la galerie avant doivent être composées de bois de couleur blanche. Quelqu'un appuie, M. Blancard? Oui, j'appuie, M. Blancard. C'est appuyé par M. Glorieux. C'est unanime. On vous remercie. 8.3.9 pour le 834 Avenue Victoria. Quelqu'un propose? Oui, je propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale présenté pour les agrandissements, le rehaussement du bâtiment et la transformation de la façade pour l'immeuble situé 834 Avenue Victoria aux conditions suivantes. La dimension et le modèle des deux nouvelles fenêtres donnant sur l'étage de l'élévation avant doivent être identiques aux fenêtres existantes. Les deux arbres abattus dans le périmètre de l'agrandissement et de la nouvelle galerie couverte doivent être remplacés par deux nouveaux arbres de calibre similaire à maturité. Quelqu'un appuie, Mme Desaunier? J'appuie. C'est appuyé par Mme Marcotte. C'est unanime. Je vous remercie. Ouais. Nous sommes au dernier point, à 8.3.10, le plan d'implantation pour le 21 rue de Provence. Quelqu'un propose? Oui, je propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale présenté pour l'agrandissement et transformation des façades pour l'immeuble situé au 21 rue de Provence. Quelqu'un appuie? J'appuie. C'est appuyé par Mme Marcotte et c'est unanime. Personne ne demande le vote. Nous sommes maintenant rendus à 22h20 à la deuxième période des questions. Monsieur le directeur général, on continue. On ne va pas lâcher. Vous avez raison, Monsieur le maire. Alors, il y a huit intervenants à la deuxième période des questions. Le premier, M. Carl Villeneuve. Est-ce que la Ville a l'intention d'adopter une résolution permettant aux électeurs qui auront 70 ans et plus le jour du scrutin de voter par correspondance, sachant qu'une résolution en ce sens doit être adoptée au plus tard le 1er juillet 2021? Donc, M. Villeneuve, le président de l'élection sera nommé sous peu et nous attendons ses recommandations. Donc, si vous avez suivi l'Assemblée du Conseil ce soir, nous aurons une personne qui va rentrer en fonction le 3 mai prochain et qui aura la responsabilité de mener à bien les élections et selon les règles qui seront établies par la santé publique en cette période de pandémie. Deuxième question.
Oui. Alors, le 15 mars 2016, le conseil municipal a adopté l'inventaire et le plan de réduction des gaz à effet de serre, GES, de l'agglomération de Longueuil, incluant le plan d'action pour Saint-Lambert. Un objectif de réduction de 18 % des GES a été fixé. Est-ce que la Ville peut nous dire si l'objectif de réduire de 18 % les gaz à effet de serre a atteint en 2021 suite à l'inventaire et au plan de réduction des gaz à effet de serre 2012-2018? Monsieur Villeneuve, on est plein de bonne volonté, mais votre question arrive quelques heures avant l'Assemblée publique. Donc, nous allons consulter notre personnel et votre question sera étudiée par le comité d'environnement et nous allons revenir avec une réponse en espérant la plus satisfaisante possible. Merci de votre compréhension. Deuxième intervenant, Monsieur Pierre Sénécal, c'est une question qui s'adresse à la conseillère Bourgoin. Alors, pourquoi le conseil municipal n'a-t-il pas encore adopté une résolution pour une demande de subvention au gouvernement du Québec dans le cadre du programme PRIMADA, donc c'est le programme d'infrastructure pour les municipalités amies des aînés, par rapport aux besoins du conseil des aînés de Saint-Lambert relatifs à la maison des aumôniers, alors que la date limite pour faire une telle demande est à la fin du mois de mai 2021? Madame Bourgoin, à vous la parole. Oui, oui, merci. Merci, Monsieur Sénécal. Justement, mercredi dernier, le comité en question de suivi a eu une rencontre exclusivement sur le dossier du PRIMADA pour revoir les projets qui nous avaient été demandés ou soumis ou proposés comme potentiellement pouvant être l'objet de la demande de subvention. On a jusqu'au 26 mai. On est encore dans les délais, malgré que je reconnais que notre département des loisirs travaille très fort là, pour préparer le sommaire et le projet, le dépôt de projet à faire au conseil pour qu'on le considère. Mais on est encore apte à pouvoir réussir le coup et faire la demande pour le 26 mai pour le projet qui sera sélectionné. Merci pour ta question. Merci, Monsieur le directeur général. La prochaine question de M. Sénécal. La deuxième question de M. Sénécal s'adresse au conseiller Blancard. Vous avez déclaré que le conseil municipal a majoritairement refusé à deux reprises une demande de subvention pour le pôle Saint-Charles, à même le Fonds municipal vert, alors qu'à Montréal, on a bénéficié d'une subvention de 175 000 pour le projet Éco-quartier La Chine Est. Pourriez-vous nous expliquer en détail les raisons invoquées par la majorité des membres du conseil municipal pour s'opposer à une telle demande de subvention, alors que les ressources financières de la ville de Saint-Lambert sont limitées? Monsieur Blancard, à vous la parole. Oui, bien, je vais apporter une petite précision. En fait, c'est pas sur le programme de la FCM que le vote a porté. C'était sur le programme Milieu de vie durable du gouvernement du Québec. Et une résolution qui avait été présentée et battue deux fois. Et lors de la dernière séance, j'avais lu un peu les projets qui avaient été retenus dans le cadre de ce programme de subvention-là. Puis c'était très intéressant parce qu'on voyait plusieurs éco-quartiers, le genre de trucs dont on aurait pu bénéficier à Saint-Lambert. Le genre de trucs que les gens de Saint-Lambert veulent. Mais bon, je peux pas me prononcer sur le fait de pourquoi certains élus ont voté contre ça. Mais sinon, oui, j'ai aussi vu que la Chine avait pu profiter d'un autre programme de subvention. Puis bien entendu, c'est quand même inspirant de voir qu'il y a des collectivités qui prennent à cœur leur développement puis qui utilisent tous les outils à leur disposition pour le faire le mieux possible. Merci. Prochaine question, M. le directeur général. Et la question de M. Denis Lecomte, c'est une question pour le conseiller Glorieux. Est-ce que la refonte en urbanisme et tous ces règlements seront applicables et appliqués pour le projet en développement sur le terrain au coin de Elm et Lorne, où se trouve un immeuble, le portail numéro civique 263 Elm? Il s'agit évidemment du dossier de l'église anglicane. M. Glorieux, à vous la parole. Oui, bonjour, M. Lecomte. Effectivement, mais écoutez, actuellement, il y a des révisions des PIA et du plan d'urbanisme qui s'appliquent à certaines régions, à certaines zones particulières de la ville et qui sont soumises justement à la consultation publique en ce moment. Alors, on attend pour le cadre du projet spécifique de 163L, mais vous savez qu'on est actuellement donc dans la démarche de la consultation publique qui vient de passer, qu'on attend certaines informations de la part du promoteur de ce projet et donc qu'il y va y avoir d'autres consultations qui vont se faire.
Je vous remercie. Prochaine question. Et toujours de M. Denis Lacombe, sa deuxième question. Donc, il fait référence au document de BC2, Réfléchir l'espace, BC2 qui est notre consultant en urbanisme. Concernant l'usage et la densité de la zone RD17, donc c'est la zone Elme-Saint-Denis, on recommande nombre d'étages maximum 4, peut-être augmenté à 5 à la hauteur de 17 mètres pour les constructions situées à plus de 25 mètres des zones MI6 et CB4, avec un taux d'implantation au sol de 50 %. Là, M. Lecomte fait référence à la refonte, à la révision de la réglementation en urbanisme. Il nous dit aussi, la dérogation pour l'immeuble au 263 Elme permet une hauteur de 15,5 mètres de haut avec une implantation au sol de 66 %, et ce, à 4,5 mètres d'une maison de 7,12 mètres de haut. Ne craignez-vous pas que cette dérogation soit utilisée dans l'avenir pour servir d'autres promoteurs pour d'autres projets? Monsieur, ce n'est pas une dérogation. Le projet est conforme à la réglementation en vigueur avec les normes ayant trait aux dérogations mineures. Voilà la réponse. Prochaine question. Quatrième intervenant, Monsieur François Girard. Étant donné le départ imminent du directeur général, quels sont les plans de l'administration pour le remplacement de celui-ci et du plan de transition? Est-ce que le conseil municipal permettra au futur conseil de prendre la décision finale sur le nouveau DG ou du moins d'avoir une période de probation qui permettra aux nouveaux élus de se prononcer? Je crois qu'il est souhaitable que les nouveaux élus approuvent le choix du nouveau DG pour qu'ils s'engagent par le fait même de travailler en équipe. Monsieur Gérard, nous sommes en discussion sur le sujet. Et le conseil va statuer très prochainement. Merci. Et l'autre question s'adresse aussi à vous, Monsieur le maire. Alors que Monsieur Brodeur énonce publiquement que les citoyens de Saint-Lambert ont dans leur ADN de chialer, quelle est la position de chaque conseiller par rapport à de telles insultes et mépris envers les citoyens qui vous ont élus pour les représenter? Donc, M. Girard, je peux vous dire que des fois, le choix des mots est mal approprié. Donc, si ce que vous rapportez est exact, donc c'est des mots qui auraient pu être dits autrement. Donc, si ça vous a offusqué, je m'en excuse. Et comme je vous dis, les mots auraient pu être choisis différemment. Merci. Monsieur le Président, puisque M. Girard semblait demander aux élus de se prononcer sur cette question-là, j'aimerais ça intervenir. Allez-y, M. Rodrigue. Bon, le maire s'est excusé pour cette fois-là, mais à plusieurs reprises, il y a eu des propos qui étaient méprisants envers des citoyens, des citoyennes. Ce soir, il y a eu des propos qui étaient méprisants envers un élu. C'est une mauvaise habitude qu'il y a, puis souvent, il nous clame que le respect est très important. Bien, je vous rappellerai qu'en mars 2019, j'ai dénoncé publiquement l'intimidation dont certains élus faisaient l'objet du maire. Et est-ce qu'il va changer son comportement? C'est évident que non. C'est des choses qu'on ne pourra pas changer. Je ne peux pas demander au maire Brodeur d'apprendre à débattre. Les gens peuvent avoir des opinions qui sont opposées, mais je pense que dans une discussion, on est capable d'énoncer nos idées. Puis c'est sûr que depuis quelques semaines, vous avez sûrement entendu qu'il allègue qu'il se fait manquer de respect, qu'il se sent harcelé. Moi, je trouve que c'est une défense de gens qui n'hésiteront pas à dire des choses qui ne sont pas nécessairement vraies plutôt que de travailler à la recherche du bien commun. Les propos ne sont pas vexatoires parce qu'ils ne font pas notre affaire. Ça s'appelle de la politique. Puis je ne pense pas que la tendance dans laquelle on s'en va politiquement est souhaitable non plus. Il faut que les gens soient capables d'énoncer des idées, de débattre des opinions qui sont opposées. Puis à la fin de la journée, bien, on devrait être en mesure de faire des consensus. C'est comme ça qu'on devrait traiter nos citoyens. Puis moi, je ne veux pas qu'on manipule la vérité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent s'exprimer? Sinon, on va passer à la prochaine question. Donc, il n'y a personne qui veut s'exprimer. Je voudrais simplement dire, pour clore la discussion avec M. Rodrigue, moi, je n'ai jamais envoyé de texto de traitant le directeur général et le maire de Crapule. Donc, prochaine question, M. Thierry Dubois. Moi non plus, M. le maire.
Oui, donc l'autre intervenant, M. Thierry Dubé. Les citoyens du district 4 de Saint-Lambert constatent depuis plusieurs années une dangerosité sur la rue Aran, la rue d'Aran, entre la rue de Rotier et la rue Alexandra. Les véhicules y circulent à une vitesse excessive et les automobilistes arrivant des rues transversales comme du Régent ou Wimbe peuvent à peine entrer sur Daran en sécurité tant les véhicules y roulent à toute vitesse. Malgré les demandes répétées, entre autres auprès de Mme Julie Bourgoin, conseillère du district, rien n'est fait pour apaiser la circulation. Est-ce que le maire peut s'engager à faire installer un panneau d'arrêt au coin de l'avenue du Régent ou de la rue Wimbe afin de sécuriser les déplacements et d'y ralentir le trafic circulant sur la rue Daran? Donc, la réponse est la suivante. Il est toujours prévu d'installer un afficheur de vitesse sur la rue Aran, entre les rues Rodsey et Alexandra. Voilà. Monsieur le maire, est-ce que je peux intervenir, évidemment, parce qu'on m'a vraiment sollicité, d'après moi. Allez-y. allez-y avec élégance. Hein? Excusez-moi. Allez-y avec élégance qui vous caractérise. Ah, merci, c'est gentil. J'aimerais profiter de la question de M. Dubé pour commenter sur le dossier de la vitesse dans la communauté globale de Saint-Lambert en début, puis ensuite je commenterai sur Aran. Je comprends que le risque d'accident en présence d'excès de vitesse est augmenté grandement, et ceci est encore pire pour les usagers les plus vulnérables, dont les cyclistes et les piétons. Il est donc primordial sur le territoire de Saint-Lambert qu'on tente de gérer la vitesse, et c'est ce qu'on fait. Il vous faut admettre à Saint-Lambert, je crois, que plusieurs actions concrètes ont été prises déjà. En ce sens, et premièrement, le Code de la sécurité routière du Québec fixe une limite de 50 km/h pour tout ce qui est en agglo, en permettant aux municipalités de le modifier. Saint-Lambert a fait le choix de prioriser la sécurité avant tout il y a plusieurs années et d'instaurer le 30 km/h sur le vaste territoire de Saint-Lambert. Ceci a beaucoup contribué à une sécurité accrue sur nos rues. Les statistiques le démontrent bien. Ensuite, la Ville continue d'implanter des aménagements modérateurs de vitesse, toujours, et on est toujours en étude de plusieurs situations sur le territoire pour modérer la vitesse sur de nombreux tronçons de rue. Parmi les aménagements qui sont les plus courants au Québec, la plupart sont présents ici sur le territoire de Saint-Lambert, dont les dodanes allongées, les passages pour piétons surélevés, les avancées de trottoirs aux intersections, j'en nomme, les bollards, toutes sortes de formes d'aménagement paysager. On peut voir des exemples partout à Saint-Lambert d'efforts qui ont été faits et qui continuent à être faits. Ceux-ci, ces méthodes qui sont modérateurs de vitesse, sont reconnues pour avoir le meilleur effet modérateur plus qu'un stop. La revendication première ici de M. Dubé, c'est d'avoir un stop sur Aran. Cette intervention n'est pas du tout conseillée comme un outil de modération de vitesse, mais plutôt comme un moyen de permettre l'accès à une rue lors d'un trop gros volume de trafic. Ce n'est pas la première fois qu'on nous demande des stops et que le comité de gestion de déplacement ne recommande pas nécessairement la position d'un stop, mais plutôt d'autres méthodes de modération. En ce qui est de la rue Aran, maintenant, la Ville a effectué des comptages de vitesse en 2016 et dernier. Pour votre info, les moyennes de vitesse pour plus de 85 % des autos sur la rue étaient entre 33 et 47 km à l'heure. Nous pourrions refaire un comptage, j'admets, et on va le faire durant cet été pour voir si la situation s'est détériorée encore. Il est également envisagé d'installer, comme a dit le maire, un afficheur de vitesse entre Roxy et Alexandra, justement. Ceci est reconnu pour avoir un très bon effet modérateur en rappelant aux gens qui ont le pied pesant qu'ils vont bien trop vite. Ensuite, il est toujours possible de demander un dos d'âne. Il faudra avoir l'appui d'une majorité des citoyens voisins d'installation. C'est mon impression, par contre, en discutant avec des voisins de ton quartier qui ne veulent pas dos d'âne. Ce n'est pas la solution la plus populaire, en tout cas. Certainement, la situation va être portée à l'attention du CPAL demain soir en comité de gestion des déplacements et probablement qu'il y a une présence policière va y être accrue dans les jours qui vont suivre. J'ai noté, selon vos voisins, que ce serait entre les heures de 19h et 21h la semaine en direction vers le lieu. Donc, je ne sais pas ce que préconise le maire, parce qu'en c'est pas lui qui décide cette chose-là tout seul, même si votre question lui est adressée, mais je me suis permis de répondre parce que vous avez suggéré que je ne fais rien pour apaiser la circulation. Et je tenais à me défendre parce que c'est pas vrai. Vos enjeux sont entendus, j'en suis bien au courant, et je souhaite comme vous que nos rues soient les plus sécuritaires possibles. Je suis bien au fait et on tente de la mesure de possible d'aller chercher des statistiques sur le territoire et de prendre les bonnes décisions. Pour ce faire, j'ai presque fini, je sais que c'est long. Donc, je finis en rappelant que la Ville a beau installer les mesures les mieux recommandées, mais se contente de faire, mais qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un rappel à tout
que la rue n'est pas une piste de course. La modération a toujours meilleur goût. Merci. Merci, Mme Bourgoin. Nous passons à la prochaine question. Je peux, Monsieur le directeur général. Je peux me permettre aussi une petite intervention. La question, c'est une... Oui, je comprends que... Très rapidement, s'il vous plaît. Je comprends que les stops, ce n'est pas le meilleur moyen de réduire la vitesse, mais c'est un moyen qui fonctionne quand même. Puis, dans la mesure où on ne retravaille pas la trame de rue à chaque année, ça m'apparaît quelque chose, une solution rapide à mettre en œuvre. Puis toujours se fier au tome 5 du livre des ingénieurs, pour moi, ça ne marche pas. Donc, moi, j'ai demandé des stops, d'implanter ça dans mon quartier. Malheureusement, ça n'a jamais marché. Le comité de gestion de déplacement s'est toujours opposé. Alors, je vous comprends. Je vous comprends, les citoyens, parce que moi aussi, je le demande, ça n'arrive pas. C'est une période de questions. La question est adressée à la conseillère, Mme Bourgoin, qui a répondu. Ouais. Fait que, s'il vous plaît, nous allons poursuivre la... Mais M. Lemaire, je peux juste dire, les stops, écoute, le comité de gestion des placements, premièrement, ce n'est pas décisionnel. Hein? On fait des recommandations. C'est le conseil qui décide. Merci. Donc, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, nous poursuivons la période de questions. Monsieur le directeur général. J'ajouterai M. le maire au commentaire de M. Blancard, mais je vais me garder une réserve. Merci. Et ça vous honore. Toujours sur une question de M. Dubé, la Ville de Saint-Lambert a installé un panneau d'arrêt sur le boulevard Queen devant l'entrée privée des véhicules de service du golfe de Saint-Lambert. Il n'est situé ni devant une traverse piétonne, ni devant une intersection. Il permet à un citoyen corporatif privé d'avoir la priorité pour s'aventurer sur le chemin public. La Ville peut-elle s'engager à retirer cet arrêt qui consiste en un privilège accordé au golfe à l'encontre des citoyens et utilisateurs du réseau routier public et à déplacer cet arrêt sur la rue Aran au coin de l'avenue Régent à Wimbé, où des citoyens craignent pour la sécurité de leurs enfants, familles et automobilistes qui veulent s'y engager sécuritairement. M. Dubé, ce dossier sera soumis au comité de gestion des déplacements, mais en période de grève, en période estivale, la visibilité, elle est difficile pour l'automobiliste de voir quelqu'un qui s'aventure et qui sort du club de grève. Donc, c'était pour des raisons de sécurité que ça avait été installé à cette époque, et votre question sera soumise à nouveau au comité de gestion et déplacement pour à nouveau faire une étude. J'appuie cette demande. Question, s'il vous plaît. Retirez ce stop. Prochaine question, s'il vous plaît. La parole est au directeur général. Alors, il reste deux intervenants à la deuxième période de questions. Madame Moranville, c'est une question pour pour la conseillère Bourgoin. Avez-vous pu prendre connaissance des états financiers du Festival Classica? Comme le Festival Classica ne pourra toujours pas offrir de concerts durant l'été 2021 à Saint-Lambert à cause de la pandémie, je voudrais savoir quand cet organisme procédera au remboursement des dernières subventions, comme spécifié dans l'entente entre le Festival Classica et la Ville. Des concerts déjà enregistrés sur le web devraient-ils recevoir les mêmes subventions de la Ville, considérant que le Festival présentait aussi ses concerts dans 9 autres municipalités? Savez-vous si elle contribuait aussi généreusement par des subventions financièrement à cet organisme, l'utilisation des fonds publics ne devrait-elle pas être une préoccupation majeure par les membres du Conseil? La parole est à Mme Bourgoin. Oui, donc, Mme Lemieux. Premièrement, les états financiers de Classica sont disponibles pour tous les élus qui veulent les voir, et ceci depuis quelques mois à l'Hôtel de Ville. Il n'est pas question de remboursement quelconque en ce moment. La Ville a signé une entente avec Classica que la majorité des membres du Conseil ont décidé d'honorer. Et moi, j'y crois. Cet événement a amené un rayonnement et une qualité de vie estivale à notre communauté depuis plusieurs années maintenant et va continuer de le faire pendant longtemps encore. Je nous le souhaite. Je lève mon chapeau aux organisateurs, en fait. Et puis, en ce qui a trait aux événements de Classica dans d'autres villes, ces concerts ont tous été financés en entièreté par ces villes hôtes. C'était complètement séparé. Les organisateurs nous ont assuré qu'aucun argent des contribuables de Saint-Lambert ont été utilisés pour financer les activités à l'extérieur de Saint-Lambert. Merci. Merci, Mme Bourgoin. Prochaine question. Monsieur le directeur général. Est-ce que je peux faire un complément d'information? Écoutez, on vient d'ouvrir la porte. Si on le permet, M. Blancard, on va vous le permettre, Mme Desaulniers. J'aimerais également intervenir après, M. le maire, si vous plaît. Oh, écoutez, my God. Donc, oubliez ça. Donc, on va s'en tenir, s'il vous plaît, à la prochaine question. Merci. Oui, la deuxième question de Mme Moranville s'adresse au conseiller Le Châtelier.
lors de la présentation du projet du magazine Vivre Saint-Lambert, on nous a affirmé publiquement que grâce à la publicité, les frais de cette publication seraient à coût nul. Comme il n'y a pas de publicité, combien nous coûte cet outil de communication et pourquoi n'y a-t-il pas de publicité des commerçants locaux dans ce magazine pour en réduire les coûts, comme promis, M. Le Châtelier? Vous nous aviez également informé qu'une page serait aussi disponible pour que les conseillers puissent y présenter leurs projets et commentaires, comme le fait le maire. Et pourquoi les citoyens ne pourraient-ils pas s'exprimer librement, eux aussi, dans une page d'opinion, par exemple, puisqu'ils contribuent financièrement au coût de cette publication par leurs taxes? Monsieur Le Châtelier, à vous la parole. Concernant les publicités, j'étais le seul conseiller élu qui proposait qu'il y ait des publicités des commerces locaux dans le magazine, qui aurait permis de payer l'impression et de favoriser le commerce local. Par contre, la majorité au conseil a décidé de ne pas le faire et je n'ai pas décidé de faire ce combat-là. J'ai accepté la décision de la majorité, même si j'étais profondément contre. Dans un deuxième temps, considérant le coût, ce qui a été dit, ce n'était pas que la publicité aurait amené ce coût-là à plus de deux, c'est vraiment le fait que ça remplaçait plusieurs publications. Et puis, deuxièmement, je suis quand même surpris que vous soyez contre un outil de communication. Je veux dire, si on communique juste par Facebook, si on communique juste par la séance de conseil public, je pense que ça devient un peu ennuyant, très ennuyant des fois même. Et puis, l'autre question, est-ce que les citoyens pourraient pouvoir s'exprimer dans le magazine? Moi, personnellement, je crois que ça peut être une bonne idée, mais ce n'est pas de mon ressort. Il faut en parler au conseil municipal. Et puis, est-ce que les élus, les conseillers pourraient avoir un espace pour communiquer des idées? Je crois également que c'est une bonne idée. Je serais favorable à cela. Mais encore là, ce n'est pas que de mon ressort, mais c'est une bonne idée. Alors, bonne soirée, Madame Lemieux. Merci. Prochaine question. Donc, le septième intervenant, M. Charles-Étienne Robert, a deux questions. Concernant l'installation probable de compteurs d'eau à l'intérieur des résidences de notre ville, je crois qu'un compteur d'eau n'est pas la solution. Mais si la ville y tient absolument, ne pourrait-on pas commencer par installer des compteurs d'eau au robinet d'arrosage extérieur? Il est certain qu'il y a un problème de surconsommation d'eau potable à Saint-Lambert. C'est pourquoi je propose que le conseil et les employés de la ville, au niveau du génie, mettre en place une journée de consultation publique afin que tous participent pour trouver des solutions à ce problème environnemental. La réponse, M. Robert, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui oblige la Ville de fournir un meilleur échantillon statistique. Donc, on doit se conformer aux directives du ministère des Affaires municipales. Prochaine question, dernière question. Oui. Donc, au sujet des subventions pour toilettes à faible débit, on peut lire sur le site Internet de la Ville que seulement deux demandes par propriété sont acceptées. Ainsi, on favorise uniquement la maison unifamiliale et les plex. On délaisse ainsi les immeubles à logement. Pourquoi une telle décision? Pourquoi une politique environnementale à deux vitesses? Nos programmes font l'objet d'analyses annuellement et nous espérons que les citoyens résidentiels en profitent. Merci, M. Robert. Merci, M. le directeur général. Et vous avez le tour de table, la période de questions. Oui, mais j'aimerais intervenir sur la période de questions des citoyens. Madame, vous aurez votre tour de table. Donc, ce n'est pas en lien avec le tour de table, c'est en lien avec les périodes de questions des citoyens. J'aimerais intervenir, s'il vous plaît. Madame. Monsieur le maire, il y a une question qui a été escamotée. Il y a la question des citoyens qui a été escamotée, oui. La première période de questions. J'aimerais qu'on prenne le temps de la lire dans son entièreté pour le Quelle est la question? Le temps d'envoyer une question, c'est la page 34 de 36. Ce n'est pas très compliqué. Je l'ai sous les yeux, je peux la lire. Non, madame, quelle est la question? Dans la première période de questions, vous dites? Oui, la question a été escamotée à la première période de questions. La reprendre à la deuxième. Qui était la personne qui proposait? Est-ce que c'est important? C'est un citoyen qui a envoyé une question. Quelle est la personne, s'il vous plaît, qui la proposait? Est-ce qu'on fait sur les questions basées sur les noms des citoyens? Qui était la personne qui la proposait pour qu'on puisse vous suivre, madame Marquette? C'est la page 34 de 36, M. Morbada, je l'ai sous les yeux. Je la lis? Madame, quel est le nom de la personne? Est-ce que c'est important, M. Oui, madame, on veut essayer de vous retrouver. Nous sommes trois personnes ici. Madame Marquette, est-ce qu'on peut avoir... Oui, c'est important pour nous ici en avant. Quel est le nom de la personne? Je vais
Quel est le nom de la personne, Mme Marquette? Monsieur Brodeur, ce n'est pas important. Bon, merci. Écoutez, parfait, je vais poursuivre. Donc, nous sommes maintenant rendus au tour de table pour les élus et nous débutons par, cette fois-ci, Mme la greffière, vous me corrigez, mais c'est à Mme Julie Bourgoin de débuter le tour de table. Je répète, les conseillers, vous avez conseillère, vous avez 5 minutes. Et je vous invite à la mesure du possible à respecter. Honnêtement, là, Madame, je pense qu'il n'y a plus de messages qui vont bien passer dans tout ce temps-là. En tout cas, je tiens à joindre ma voix à mes collègues qui ont souligné la contribution de M. Trudel en partant, qui a très bien fait progresser la CDE, honnêtement, pendant plusieurs années. Bravo et merci, M. Trudel, pour ces nombreuses années de dévouement et bonne chance pour la suite. Aussi, j'ai pris les citoyens du district 4 à aller faire part de leurs commentaires sur le plan particulier d'urbanisme du secteur Sir Wilfrid Laurier. Si vous n'êtes pas au courant, la ville propose un projet de développement, mais c'est vraiment en pré-consultation. C'est une idée de développement qu'on veut aller chercher et puiser les commentaires des citoyens du quartier. Donc, sur le site de la ville, dans la partie participation citoyenne, vous allez trouver le lien. Il est en ligne sur le site depuis plus de 3 semaines, mais il a été prolongé le temps de consultation jusqu'au 25 avril. Donc, vous avez encore le temps d'aller y faire vos commentaires. Parce que j'ai le goût de faire des remerciements, merci à M. Marquis aussi et à son équipe pour une excellente présentation des états financiers ce soir. Bonne soirée. Merci, Mme Bourgoin. Nous sommes au conseiller du district numéro 5, M. Blancard. Oui, alors un instant, je vais partir mon chronomètre pour être sûr de ne pas être coupé. Alors voilà, donc en début de séance, j'ai fait une question de privilège parce que je voulais apporter une précision. Le conseiller Glorieux ne siège plus à l'Office municipal d'habitation parce que cet organisme-là est sous tutelle. Alors, quand les administrateurs qui ont été nommés par le gouvernement du Québec sont entrés en fonction, M. Glorieux a perdu tout pouvoir qu'il avait comme membre du conseil d'administration de l'office municipal. Je pense que c'est une précision importante à ramener. Je pense que le maire ne comprend pas les tenants aboutissants de ce dossier-là. Il nous a fait la démonstration ce soir que non, mais bon, pas une surprise parce qu'il y a plusieurs dossiers qu'il ne maîtrise pas, malheureusement. Alors voilà, moi je vais vous parler peut-être un peu de l'acte de vente de l'église anglicane. On en a parlé un peu ce soir de l'Église anglicane, l'ancienne Église anglicane, qui a été signée par nul autre que Pierre Brodeur, du temps où il était conseiller municipal à Saint-Lambert. Alors, c'est un peu drôle de voir ça. Cet acte de vente-là a été signé par M. Brodeur, mais il n'y a rien qui a été fait. Durant toutes ces années, la ville n'a pas investi un seul centime sur cette propriété-là, qui était maintenant à elle. Une propriété patrimoniale. Donc, la ville a acquis ça dans le but d'en faire quelque chose. Malheureusement, elle n'a pas veillé à la protection de son patrimoine. Puis aujourd'hui, le gouvernement du Québec parle de passer une loi pour forcer les conseils municipaux de la province à entretenir leur propriété patrimoniale qui leur appartient. Donc, force est de constater que cette loi-là, dans un monde idéal, ne devrait pas être nécessaire, mais dans le monde qu'on est aujourd'hui, oui, elle est nécessaire parce que notre ville, même Saint-Lambert, en est un exemple malheureux parce qu'on a fait l'acquisition d'un immeuble patrimonial et on ne l'a pas entretenu pendant de nombreuses années. Donc voilà, c'est malheureux. Maintenant, je veux aussi parler de la terrasse d'un commerce qui s'est installé sur la rue Saint-Denis et Elm, les shops des fromages, parce que les résidents sont venus voir avec inquiétude, parce que lors de la consultation publique sur le changement de zonage qui a permis à ce commerce-là de s'installer là, qui nécessite une dérogation, le propriétaire et son représentant avaient indiqué que la terrasse serait seulement sur la rue Saint-Denis, maximum une trentaine de places. Il avait été dit à ce moment-là que c'était même plus que ce qui était nécessaire. Puis aujourd'hui, le propriétaire fait une demande pour avoir une terrasse sur deux coins de rue, 72 places, etc. Donc, les gens trouvaient un peu particulier qu'on se soit engagé à quelque chose pendant une consultation publique, puis après qu'on se retourne de bord
et qu'on demande beaucoup plus que ce qui avait été convenu au départ. Donc voilà, moi je pense que ces craintes-là sont fondées parce que c'est une ville, c'est une zone mixte, il y a beaucoup de résidences, puis les gens tiennent quand même à leur tranquillité. Donc, puis aussi, c'est une autre chose que les promoteurs, quand ils s'engagent à quelque chose, leurs paroles doivent valoir quelque chose, parce que sinon, il y a un bris de contrat moral. Alors, c'est important de respecter ça, surtout que, bon, il y a d'autres projets qui sont sur la table dans ce même territoire-là. Finalement, moi, je veux dire aussi, je veux parler des infrastructures. Je veux parler du soin qu'on porte à nos infrastructures comme ville. Par exemple, moi, je me rappelle que l'été dernier, il y a des citoyens qui m'ont interpellé sur l'état de trottoir qui est totalement désastreux sur la rue Prince-Arthur, pas loin de la rue Hickson. J'ai demandé à l'administration de réparer ces trottoirs-là parce qu'il y avait vraiment des grosses craques dans les trottoirs immenses. Ça n'a pas été fait. J'ai relancé l'administration juste avant l'hiver pour leur dire que c'est important que même si vous deviez sceller ça, mettre de l'asphalte avant l'hiver, c'est important parce que l'hiver, avec la neige, on ne voit pas, etc. Bon, ça n'a pas été fait. À l'heure actuelle, je pense que ça n'a toujours pas été fait. Il y a une triste tradition, on dirait, c'est que quand il y a des tronçons qui sont mis au PTI de la ville de Saint-Lambert, on arrête tout simplement de les entretenir pour les années qui restent. Et ça, selon moi, ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on s'occupe de nos trottoirs, de nos rues, même si on prévoit les refaire dans quelques années. Puis moi, je rappellerai aux gens que la rue Hickson, elle a été au PTI pendant 10 ans. Elle n'est toujours pas faite. Votre chronomètre, est-ce qu'il est comme le nôtre? Votre 5 minutes est maintenant allouée. Si nous allons passer... À la conseillère, M. Blancard, merci. Donc, nous respectons le décorum. Vous allez passer, M. Blancard, s'il vous plaît. Mme Marcotte, à vous la parole. Mme Marcotte, à vous la parole. D'entrée de jeu, je veux remercier les conseillers qui posent des questions souvent très pertinentes, qui font des interventions. C'est en se tenant même qui amène de l'information supplémentaire. La prise de décision, c'est pas c'est un processus continu. Et puis, il se peut qu'il y ait des questions qui amènent la réflexion, qui fassent avancer notre réflexion. Il y a souvent des conseillers qui amènent ces questionnements-là jusqu'en séance publique. Puis moi, je veux les remercier pour leurs excellentes interventions qui sont essentielles à la prise de décision. Vous l'aurez deviné, les séances de travail ne sont pas toujours ce que j'appelle des séances de travail. J'appelle, moi, ça, je les qualifie plus, ça s'apparente un petit peu plus à des pratiques, à des répétitions. Hein. C'est bien important de savoir qui propose, qui appuie, mais les questions, les informations supplémentaires, puis ce soir, on en a eu la démonstration. Hein. Je pense que la série d'amendements au point 2.5 démontre qu'il y a un travail qui n'a pas été fait très convenablement par les membres du conseil municipal. Il y a une proposition d'amendement qui nous a été soumise, je suis désolée, là, à 18h50 ce soir, puis vous l'avez entendu, avec on a biffé, on a mis des paragraphes, moi je suis désolée, là, mais je ne peux pas prendre note, je ne peux pas prendre connaissance d'un tel document, de tel changement qui nécessitait peut-être des explications, des discussions. Il n'y a pas à dire. La résolution du point 2.5 qui a été déposée par le conseiller Rodrigue a été faite il y a quelques semaines. Là. Alors, on avait le conseil n'a pas l'excuse de dire qu'il n'y avait pas le temps d'avoir la discussion. Moi, je pense qu'il y a un manque de volonté d'avoir certaines discussions. Je trouve ça déplorable parce que je ne vois pas là, ce qu'on a gagné dans cette façon d'agir-là. On peut dire bien des affaires dans la vie, là, mais il faut que les bottines suivent les babines. Il faut que la façon d'agir soit à la hauteur de nos prétentions. Je suis très déçue, moi, de ce que je vois. Puis les questions sont toujours légitimes. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de questions que tu n'as pas compris. Moi, je suis tannée d'entendre des affaires, tu n'as pas compris, Non, moi, peut-être que je ne suis pas vite. Je suis vraiment désolée. J'ai souvent beaucoup de questions, mais s'il y en a qui sont si vite que ça, bien, coudonc, tant mieux pour eux autres.
En terminant, mais je vais lire la question, hein, parce que j'ai du temps d'antenne. Je vais la lire, la question, même si on ne veut pas. Là, dans mon tour de table, il n'y a pas de... Alors, il y a un citoyen qui a écrit une question à la période de question numéro 1, qui a été escamoté. Alors, comment le maire peut-il réconcilier le point 3.3 de l'ordre du jour avec son comportement dans... Numéro 1, l'affaire d'espionnage TRAC. Numéro 2, l'exclusion de conseillers des caucus. Point numéro 3, les propos insultants qu'il a tenus à l'encontre de certains conseillers tels que révélés dans le journal La Voix de l'Est, parce qu'il y a eu un article qui est sorti, ceux qui l'ont pas lu cette semaine, sur l'intimidation politique. Et le point numéro 4, du refus de fournir le rapport d'évaluation du directeur général dans un vote concernant la compensation de ce dernier le 3 février 2021. Veuillez noter que si vous décidiez de ne pas retenir, de ne retenir qu'une partie de cette question, je vous demanderai alors de bien vouloir verser le reliquat dans la deuxième période de questions. Alors, la question était adressée au maire, il aurait pu y répondre, il a choisi de l'escamoter. J'ai terminé. Merci. Merci. Nous allons passer maintenant à M. David Bowles. Oui, merci. Je vais être bref. Simplement, moi aussi, souhaiter la bienvenue à Maître Comines. Un bon retour suite à un congé très mérité pour s'occuper de sa petite famille. Remercie aussi M. Marquis et son équipe pour son travail avec les états financiers dans un nouveau rôle. Merci beaucoup, félicitations. Et je veux aussi remercier M. Trudel pour ses services bénévoles pour la CDE, ainsi que deux autres membres du conseil d'administration sortant, M. Robert Taylor et M. Pierre Paquin. Puis je vais en profiter pour remercier tous les citoyens et citoyennes qui travaillent bénévolement pour l'avancement, le développement de notre ville, ainsi que tous les fonctionnaires qui travaillent pour le bien de notre ville aussi, et les élus. Je vais nous encourager aussi à encourager nos commerçants dans cette période très difficile. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais tous les commerces de Saint-Lambert, que ce soit sur la rue Victoria, que ce soit les shops des fromages, que ce soit d'autres commerces à d'autres endroits de Saint-Lambert, encourageons-les en cette période difficile. Puis finalement, un dernier mot pour encourager tous les citoyens et citoyennes à continuer de suivre les mesures sanitaires, malgré qu'on est tous tannés, ça fait plus d'un an, mais on le voit, il y a des éclosions importantes qui causent la fermeture de classes, la fermeture d'écoles, même en ce moment à Saint-Lambert. Donc, je nous encourage tous à continuer à suivre les mesures, encourager nos enfants à suivre les mesures pour qu'on puisse venir à bout du virus. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, M. Bowles. Et nous sommes maintenant à Mme France Desaulniers. Oui, bonsoir. Alors, je vais commencer par répondre à la conseillère Marcotte. J'ai proposé aux conseillères et aux conseillers de travailler ensemble un projet de résolution. Le conseiller Rodrigue a choisi de transmettre directement à la greffière sa proposition. Et il a même transmis nos échanges de courriels à au moins un citoyen. Alors, on se reparlera de ces choses entre nous. Je veux souligner la semaine de l'action bénévole. Merci à tous les bénévoles qui s'engagent dans la communauté. Préciser qu'au Parc Gordon, on a adopté une résolution à la séance du mois de mars pour demander une subvention dans le cadre d'un programme d'initiative canadienne pour les collectivités en santé. Alors, j'espère qu'on aura des résultats de ce côté-là. Je voudrais féliciter Marc-André Carignan, qui est un résident de Saint-Lambert, un membre du comité de redéveloppement de la ville, qui s'est mérité le prix de l'Association des architectes paysagistes du Québec dans la catégorie personnalité publique. Félicitations, Marc-André. Mentionner aussi que le comité consultatif culturel a revu la politique culturelle. On a dressé le bilan des réalisations qui étaient contenues dans cette politique et on travaille sur des perspectives. Du côté du comité des loisirs, les membres, on a fait une tempête d'idées, on a brassé quelques avenues et proposé des activités pour l'été 2021. Ensuite, devant l'incertitude de la situation sanitaire durant l'année, le conseil d'administration de la Fondation des Amis de la Bibliothèque a choisi de reporter la célébration de son 25e anniversaire en 2022. Ils veulent vraiment faire des choses en présentiel, comme on dit. Donc, il y a d'ailleurs déjà des activités
qui sont en bouillonnement, puis il y a une campagne de financement qui va se mettre en cours à très brève échéance. C'est le jour de la Terre cette semaine, hein? Une journée, c'est pas beaucoup. Il y a plusieurs initiatives, mais je voudrais mentionner celle de l'Entreclé qui nous donne rendez-vous au Parc Union le samedi 24 avril de 10h à midi. Il y a des renseignements sur la page Facebook de l'organisme. Je rappelle quelques principes. Réduction à la source, réutiliser, recycler, valoriser. Voilà quelques éléments qu'on peut mettre en application dans nos vies quotidiennement. Finalement, je vais en profiter pour parler un peu du Festival Plastica. Il y aura une trentaine de concerts qui vont avoir lieu à l'Église catholique de Saint-Lambert. Ils seront enregistrés et dépendant des consignes qui seront en vigueur à ce moment-là, le festival pourrait même accueillir des spectateurs. Donc, les concerts vont avoir lieu, ils seront enregistrés. Et je voudrais féliciter l'organisation du Festival Classica aussi pour... le gouvernement du Québec a accordé une subvention de 800 000 $ pour concrétiser une plateforme numérique qui va servir donc à la diffusion de la musique classique. Voilà. C'est tout. Merci, Mme Desaulniers. Nous sommes maintenant au conseiller Francis Le Châtelier. Premièrement, j'aimerais féliciter notre trésorier, M. Maxime Marquis, pour son excellent travail. J'ai la chance de le côtoyer sur le comité finances et je trouve que c'est une machine. Alors, espérons qu'il sera avec nous pour une très longue carrière. Et sinon, dans un deuxième temps, quand j'ai entendu le maire de Saint-Lambert dire que un de ses legs, ce serait la création de richesses, notamment avec le quartier Saint-Charles. J'étais inquiet. Je pense vraiment pas qu'il faut se dépêcher dans ce développement-là. On n'a pas à faire les choses rapidement. C'est le dernier gros développement de Saint-Lambert et on n'a pas à en faire un désir de legs politique de notre mandat, si ça prend encore 6 mois, si ça prend encore 1 an pour qu'on fasse le meilleur projet possible pour les citoyens de Saint-Lambert, eh bien, ça prendra le temps. Et à M. le maire qui est allé à Toronto par lui-même sans l'appui de son conseil, j'aimerais ça que la prochaine fois que vous ayez à Toronto et que vous rencontriez DARE, de leur dire que si jamais ils sont pas prêts à faire un projet remarquable pour Saint-Lambert, eh bien, ils ont juste à continuer à cuire des biscuits sur l'avenue Saint-Charles, mais on ne va pas faire n'importe quel développement dans un but de legs politique. Alors, je suis inquiet, mais je prends ce dossier-là très à cœur. Alors, je vais me battre pour que ce soit le meilleur projet possible, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Et je serais très, très, très étonné que ça soit finalisé de notre mandat. Alors, prenons le temps de bien faire les choses et ayons les discussions à ce sujet. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Nous sommes maintenant à M. Philippe Glorieux. Oui, bonsoir à tous pour cette longue soirée. Vous êtes encore tous attentifs. Je ne sais pas combien de personnes il y a encore en ligne, mais j'espère qu'il y en a quelques-uns qui terminent la soirée avec nous. Alors, écoutez, je voudrais quand même... mentionner que nous avons plusieurs points concernant l'environnement, donc le 3 points avec le règlement concernant les nuisances, avec cette prolongation d'un an, l'adoption de la politique aussi du développement durable, 7.6, puis la campagne mondiale objectif zéro, c'est quand même 7.9, c'est beaucoup. Et puis je crois qu'effectivement il faut rappeler que c'est tout un engagement que la ville prend et je crois que ça donne un peu le vertige aussi parce que notre collègue parlait, M. Blancard, pas de fonds disponibles. Je crois que dans ce sens-là, il a assez raison. Les intentions sont là et il va falloir mettre en application ces gestes que nous avons posés ce soir pour se doter des moyens pour arriver à nos fins. Et ça, il va falloir établir également des programmes de réalisation là-dessus. Je crois que l'élan est donné. Mais il va falloir convaincre tout le monde de prendre l'épaule à la roue et d'avancer sur ce sujet.
Il y a le jour de la Terre, effectivement, le 22 avril, qui est là, et je crois que dans ce cadre-là, on a montré nos intentions très louables. J'aurais voulu aussi parler de l'eau potable, parce qu'en fait, M. Pascal Effray nous a sorti un très beau rapport sur un tableau de bord 2011-2018 sur la qualité des infrastructures d'eau potable de Saint-Lambert, avec effectivement des chiffres qui ont été également mis sur le forum Saint-Lambert. C'est pour ça que je me permets de pouvoir répondre ici à tous. C'est qu'en fait, bon, c'est sûr que les choses ne sont pas faciles au niveau des infrastructures chez nous, autant dans la voirie qu'au niveau des de l'eau potable et des égouts. Mais en fait, il faut quand même savoir, et je veux simplement vous rassurer, ainsi que les citoyens et citoyennes, en vous mentionnant que la ville, avec le conseil précédent, avait déjà commandé un plan d'intervention pour le renouvellement des réseaux d'eau potable, d'égouts et des chaussées, qui était réalisé par la firme Maxum. Et dans votre document, je ne sais pas si vous y faites référence, mais en tous les cas, pour les prévisions, c'est que ce rapport d'intervention est la référence de la ville pour planifier nos investissements dans ce secteur. La base de données créée à cette occasion est régulièrement mise à jour avec des inspections par caméra sur les sites les plus critiques. Nous avons donc un rattrapage à faire dans nos travaux, et c'est vrai, mais on en fait actuellement parce qu'en fait, depuis 2 ans, on a investi 20 millions. C'est quand même beaucoup. Il faut savoir surtout que la fin des travaux de Riverside, ça complète la réfection des conduites majeures qui vont permettre maintenant d'entreprendre avec succès les travaux en amont du réseau pour ces prochaines années. Alors, de ce côté-là, je voulais être un peu rassurant sur tout l'effort que la ville fait et également aussi sur la façon que nous gérons les fonds pour nous assurer d'avoir la capacité d'investissement suffisante pour pouvoir agir maintenant. Maintenant, il y a aussi, donc, questionnant le règlement sur les nuisances, effectivement, je suis moi-même déçu de postposer d'un an. Mais on se retrouve, en fait, avec, justement, dans ce contexte, je sensibilise tout le monde à cette action, cette décision qu'on a prise aujourd'hui. Et elle va à l'encontre de plus d'un d'entre nous. Nous voulons, en fait, accompagner les citoyens dans la démarche que chacun fait chaque jour dans l'entretien de sa propriété comme dans sa vie de tous les jours. Et ici, c'en est un très bel exemple. Les pratiques doivent changer. Il faut également que les différents contracteurs au niveau d'aménagement et de traitement des jardins soient plus actifs et prennent les moyens nécessaires pour y arriver et qu'ils ne viennent pas avec les mêmes méthodes et les perpétuer en champ passant électrique. Ce n'est pas la bonne solution. Maintenant, en ce qui concerne la campagne mondiale Objectif Zéro, je crois que c'est vraiment un très gros mandat et puis d'y participer, on verra ce qu'on pourra y faire. Je voudrais quand même jeter un petit mot à deux choses. D'abord, remercier M. Vincent Trudel de la CDE et son départ pour le travail qu'il a fait. Également aussi pour les personnes membres comme M. Taylor et M. Pierre Paquin qui sont là vraiment depuis longtemps, qui ont donné de leur temps et de leurs compétences pour permettre de soutenir les commerçants dans tous ces moments difficiles et d'épanouir également notre centre-ville. Monsieur Maxime Marquis aussi, un autre niveau, comme directeur financier. M. Delorieux, votre temps est maintenant alloué, M. Delorieux, donc je dois respecter pour ne pas être critiqué. Donc, je vais laisser maintenant la parole à M. Bernard Rodrigue. Merci. Bon. Bonsoir tout le monde. Dans un premier temps, dans la semaine de l'action bénévole, il ne faudrait pas oublier de souligner toutes les associations sportives de Saint-Lambert. Il ne faut pas penser que parce qu'on est en temps de pandémie, ces gens-là ne travaillent pas, ne préparent pas, ne défont pas, sont tout en attente des changements qui ont lieu probablement au niveau réglementaire très bientôt. Mais moi, je voulais les remercier de leur implication. On parle souvent et toujours des mêmes, mais c'est probablement des gens, d'ailleurs, qui les mêmes seront en campagne électorale. Mais vous, je tiens à vous remercier. Vous occupez de nos enfants, puis ça me tient à cœur. Pour ce qui est de la résolution pour l'agglomération, bien, au départ, la raison d'être de la résolution était de faire un blâme parce qu'on n'a pas respecté, le cadre de la loi. Et puis là, bien, on a mis un peu n'importe quoi dedans. Ça fait...
Ça fait plus de 3 ans qu'on est élu. On a eu 2 conseillers différents qui ont été aux commissions de l'agglo finances. J'ai entendu jamais parler d'aucune stratégie valable depuis que j'ai été élu. Ces gens-là avaient comme mandat de nous préparer des choses. Ils sont nos porte-parole, mais ils ne sont pas juste là pour aller chercher le jeton à l'agglomération de rémunération. Ils sont là pour proposer au conseil des choses, puis après ça, de nous représenter dans les discussions. Ensuite, pour ce qui est de l'eau potable, on tourne toujours autour du même sujet. J'en avais fait d'ailleurs un objet de discussion à la dernière campagne électorale. Le maire était présent puis il semblait acquiescer à cette époque-là. Ben, je peux vous dire qu'on n'a pas été les premiers de classe dans la réalisation de projets. Nos infrastructures, c'est un choix de la direction générale de faire tous les plans croquis à l'interne. D'après moi, ce n'est pas la bonne approche. On va pas assez rapidement. On n'est pas efficace dans la façon qu'on fait les demandes de subventions. D'ailleurs, depuis que je demeure à Saint-Lambert, on a été incapable d'enfouir des fils sur des rues résidentielles parce qu'on n'a aucune planification pour parler aux gens d'Hydro-Québec, pour savoir les sommes qui sont disponibles puis se préparer au moins 5 ans d'avance. Vous savez, la rue Bromley qu'on a votée ce soir, elle est d'un carton depuis 2008. On est obligé de la tasser parce qu'il y a eu, oui, des dépassements de coûts et dans la bibliothèque et dans l'aréna et dans le parc de l'Espérance. Qu'on arrête d'en parler, c'est ça les faits. Hein, le budget original du parc de l'Espérance avait été voté à 2,29 millions et je ne veux plus, comme citoyen, qu'on continue à faire ce genre de démarche avec la population où après ça, on nous dit ben, il y a eu une table de consultation. Les citoyens sont des gens responsables à Saint-Lambert. Si on met une enveloppe budgétaire, c'est des gens qui vont la respecter. Je voulais féliciter la journaliste Geneviève Michaud du Courrier du Sud, qui est en nomination pour le prix Grand Prix Judith Jasmin en 2020 pour un article qu'elle a publié sur le malfonctionnement puis la tutelle du Conseil de l'administration de l'Office d'habitation de Longueuil. Merci de nous avoir mis à jour comment les gens qu'on déléguait travaillaient super bien quand ils sont dans des comités d'agglomération. Ensuite, quand on regarde le rapport du quartier Victoria, je vais vous amener rapidement sur certains points. On s'aperçoit que depuis 2002, il y a une loi sur le lobbyisme, puis que tous les gens devraient s'inscrire à ces activités-là dans un registre avant de consulter des citoyens intéressés, de consulter le directeur général ou le maire. Moi, je pense qu'il faut que ça cesse à Saint-Lambert, qu'on soit en transparence de savoir qui va s'asseoir avec des projets, puis quels sont les projets qu'ils amènent dans notre ville. On n'est pas obligé d'être dans les détails de ce qui se passe, mais c'est quand même notre environnement dans lequel on a choisi de vivre. Et le jour où cette ville a besoin de la compensation financière, on est là à contribution. Donc, on doit être dans toutes les opérations qui se passent. La transparence, ça va être, je pense, dans les prochaines années, dans le débat public. Puis, il ne faut pas cesser, il ne faut pas désespérer. Les choses vont changer. D'ailleurs, moi, j'aimerais aviser les gens qui seront candidats aux prochaines élections que si on rencontre des promoteurs, comme j'ai entendu dernièrement, ben il faut s'assurer que ce n'est pas derrière des portes closes. Parce qu'on ne peut pas reprocher à des élus Merci, M. Rodrigue. Comme j'ai dit aux autres, votre temps est maintenant terminé. Je vous remercie. Donc, il est 23h17. Et naturellement, je veux juste répondre à un commentaire de M. Blancard par rapport à l'acte de vente pour l'Église anglicane. J'ai eu la chance d'être élu, un conseiller de 1993 à 2002, et j'ai occupé la fonction de promaire. Et à l'époque, le maire étant absent, donc c'est le promaire qui a signé l'acte de vente. Je voulais juste faire une petite mise au point là-dessus. Et moi, je vais terminer ceci. Comme vous avez pu le constater, citoyens de Saint-Lambert, nous sommes en campagne préélectorale, donc il faut, dans ce contexte-là, s'élever au-dessus des attaques. Donc, c'est ma devise, et d'ici au mois de novembre, je vais m'élever au-dessus des attaques et laisser
aux citoyens de Saint-Lambert de juger le comportement et les propos des élus qui sont dits dans une réunion mensuelle. Fait qu'à vous, citoyens de Saint-Lambert, de juger sur le comportement de vos conseillers et vous aurez un choix à faire au mois de novembre. Fait que sur ce, donc, je m'élève au-dessus de la petite guerre politique et je tente d'exercer ma fonction du mieux possible d'ici au mois de novembre et en ne tombant pas dans les pièges qui sont tendus par certains élus. Mesdames, messieurs, merci. Il est 23h19. Madame la greffière, j'aurais aimé que vous puissiez retourner auprès de votre petite-fille plus tôt, mais le sort en a voulu ainsi. Monsieur Pichet, je vous remercie. Et moi aussi, comme j'ai remercié Monsieur Marquis, je le remercie. Bonne soirée. Merci.